je suis plus à l'aise tout nu qu'habillé, mais j'ai des études. En quoi? En analyse biomédicale. C'est travailler. Un gars qui a un gros comme shot, moi, j'aime vraiment ça. Choisis ton groupe de pénis préféré. Le monde y vote. J'en cherche un autre si jamais. Scénario, première fois, mais en caméra. Si parfois, on me DM... Ah oh, oui, fait oui, oui, si non! Vous voulez prendre le shotgun nain. Sur le nain, le nain, le nain! Tabarnak! C'est le pire épisode de toute ma vie! Jade, on a vu que t'avais un enfant. Comment ça marche avoir un enfant quand tu travailles dans l'industrie du sexe? Il y a 10 ans, c'est ça. Oui. Ouais. Maman a fait ça à mon dessin sur Internet parce que je sais que les enfants, maintenant, ils vont tous sur Google. Après que j'ai ouvert mon OnlyFans, ma mère a décidé de aussi s'ouvrir un compte OnlyFans. Y a-tu de la compétition? Non, il n'y a pas de compétition. Parfois, on partage les mêmes acteurs. Ouh! T'sais, on vérifie le cocon avant. Est-ce que tu l'as utilisé pour ton contenu? Non, maman, c'est correct. Okay, tu peux le prendre. Non, non. Bon, attention, mannequin! Body count, vous aiderez à pas obligé de répondre à ça, là. Tabarnak, elle a sa liste! Oh, ouais! Hey! Prends un break et fier de vous présenter ces trois animateurs: Genty Productions, Frank the Dripper, Le Beau-Frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, oh, c'est bien party. Hey! Prends un break pour l'été. Mange ta barre. Sors ton bicycle ou ta moto. Va dans la nature, voir les oiseaux. Relax. Prends un break pour l'été. Youpi! Prends un break, mon bébé. OK, gang, petite intervention spéciale. On fait notre premier show devant public. C'est une pratique, c'est exclusif pour nos membres Patreon. On vous laisse le lien dans la description. Ben oui, soyez là, vous allez capoter. On est la tête d'affiche du Festipod. C'est un festival prestigieux dans les podcasts du Québec. Ça nous fait un énorme plaisir d'être les derniers qui vont être sur la scène. Fait qu'allez acheter vos billets sur notre compte Patreon. C'est une pré-vente en exclusivité jusqu'à lundi. C'est sûr qu'on est la tête d'affiche, on est number one. Tu penses quoi à la maison, Golis? Pis let's fucking go, on va avoir un invité spécial pour cette occasion. Soyez des nôtres. On veut vous voir, on va vlogger aussi. Oui. On veut vlogger avec vous, on veut vous voir. Parce que ça nous fait chaud à notre cœur! On a-tu un indice? L'indice de Steffi, l'une des deux porn stars. Indice 600 000. Oh! Here. Oh my dick. Ouais, Jay, c'est quoi ta journée d'école? Ouais, on commence direct avec ça, là. OK, c'est parce qu'on parlait de l'école, on parlait de fumer du pot à l'école, puis j'étais comme, ah si, je vous ai jamais compté ma dernière journée d'école, man. On veut-tu vraiment le savoir? Moi, ça m'intéresse. Le beau-frère, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, non, mais vas-y. On y va. On se lance. En passant, what's up tout le monde, épisode 27, prends un break, let's fucking go, subscribe, c'est pas encore fait, on veut le 50 000 d'ici à la fin de l'été. Fait que là, mon histoire, j'arrive, là, je commençais à fumer du weed à chaque soir avant de me coucher. Puis là, ça s'en venait, genre, tu sais, quand tu commences à consommer, ben là, ça devient de plus en plus. Là, j'ai comme, bah, m'a laissé le jour. Puis là, après ça, Chris, pas pire. M'a laissé le jour avant d'aller à l'école. Là, j'avais deux cours, un à midi, un à 2h. Je fume à 11h45. J'arrive à l'école à 11h55. Trop pété. Mon cours à midi, je fais, non, je suis trop pété, man. Je m'en vais à la cafétéria, je me pogne du popcorn. Je m'en vais à la bibliothèque, je mange mon popcorn avec ta vidéo YouTube. J'ai dormi un peu. À 2h, je fais bon, je pourrais aller à mon deuxième cours qui était une rédaction. Là. Une rédaction écrite qu'on avait trois cours pour le faire. C'était le premier cours. Rédaction? Rédaction, okay. Je sais pas. Là, c'était un cours de français, genre littérature. T'étais au cégep, là. Ouais, c'est ça, au cégep. Pas en maternelle. Non, non, c'est okay, okay. Ma dernière journée d'école avant de lâcher. Ok, au cégep. T'avais pas spécifié, t'étais rendu où quand t'as lâché? My bad. Cégep de Sainte-Foy en passant. Shout-out, Café Oiseau. Là, j'arrive, 2h. Let's go. C'était le premier des trois cours pour faire ma marde, puis j'ai dormi les 2 heures au complet. Wow. Puis après ça, ben, c'était le vendredi, puis là, le prochain lundi, il y a une fille que je trouvais chaude dans ma classe, je texte, « Hey, j'ai-tu manqué de quoi? Le cours de 8h, ça me tentait pas d'y aller. » Elle dit, « Ouais, un examen qui valait pour 30%. » J'ai fait, OK, l'école, c'est fini pour moi, je pense. Ouais. Ça fait tellement toué, là, quand ils ont arrêté l'école. Ah, Chris, je vais couler, fait que that's it. Ah ouais, en mode BS. Ouais, genre, sans aucun vouloir. Là. Ça ne tente plus, c'est fini, c'est ciao, moi, je finis. Ben, quand tu oublies un examen de 30%, c'est signe que tu t'en calais, je pense. Non, ouais, mais je pense que tu t'en calais depuis le début. Ça jette, hein? Moi, je suis curieux, Frankie. Comment t'as lâché l'école, toi?
Moi, je voulais m'en aller professeur en géographie au cégep. C'est vrai, ça? Ouais. En 1973? Exactement, bro. Fait que j'ai fait mes sciences humaines, ça m'a pris 3 ans. Puis à la dernière session, j'ai découvert l'immobilier. Puis fait que dans ma session, j'apprenais l'immobilier puis je faisais mon cégep. Puis là, à la dernière semaine, il me restait mon épreuve uniforme de français puis mon examen de philo 3. Puis à la dernière journée, j'ai décidé de tout crisser ça là. Il me restait juste 2 examens pour avoir mon deck. Fait que j'ai juste dit, je vais être capable avec ce que j'apprends là dans l'immobilier de me trouver une job puis de vivre de ça. Puis Chris, j'ai tout lâché puis ça a porté fruit. J'ai écouté la petite voix dans mon intérieur, mon coco. C'est un bon prof, man. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bon. Ben, restez tuned parce que ça arrive bientôt sur les ondes, mes loups. Fait que t'as pas fait ton épreuve uniforme de français, finalement. Non. Puis tabarnak, cette année, avec la COVID, le monde n'a pas eu leur épreuve uniforme de français. Je suis encore fru de ça. Ça fait longtemps que j'ai fini cégep. C'est mon examen à vie qui m'a fait le plus chier de toute l'histoire des examens, man. C'est une dissertation de 5 heures de temps. Tu te lèves à 8, tu finis à 1 heure. Dans un gymnase, dans même un avec gymnase. Genre 3000 autres assis de personnes. Hey, j'ai une crise de bonheur. Fait genre 37 degrés. Je vais faire ça une histoire longue courte. Je venais d'avoir 19 ans, c'était la première fois que j'allais au strip club. Là, je vois une danseuse, Chris, une belle fille, pis tout. Là, le lendemain, c'est mon examen de philo. On est dans un gymnase, il y a calissement du monde. Là, il y a une fille assise en avant de moi. C'était elle. À sorvir, hey, t'aurais-tu des feuilles? Calice, c'était la danseuse. Calice. Hey, ben, juste avant de continuer avec la présentation de nos invités cette semaine, un énorme merci à Pizza Salvatore d'être encore avec nous après tant d'épisodes et Eros et compagnie, 25 succursales au Québec. C'est une putain de tuerie. Allez sur leur site internet. By the way, t'as un rabais avec le code BREAK15. Le petit beau chapeau que t'as là. Je sais, man. J'ai mon petit chapeau blanc Eros. Ils m'ont donné ça. J'étais tout content. Je l'ai demandé puis tout. Puis. Mais l'on fait gratis. Quand t'es micro-influenceur, ça y va! Oh yeah! Micro-influenceur number one! Ce qui est le fun quand t'es micro-influenceur, c'est que t'as du linge gratis. OK, juste avant de faire les présentations, on vous a préparé de quoi de spécial. T'es-tu prêt? On le faisait-tu? OK. OK. OK, ça part. Oh, ouais, ça... OK, mesdames, mesdemoiselles, animateurs, animatrices de... Oh, on va recommencer. Parce que dans le fond, Frank... Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Prends un break, aujourd'hui, à l'épisode numéro 27, on reçoit des TikTokeuses qui cumulent 3 millions d'abonnés, des OnlyFans Girls incontestables, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jeanne Lavoie et Pomponnet! Yeah! Ouais, venez vous aller. Ça, on peut pas. Parce que, à cause que. On recommence? Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Prends un break, merci d'être là et de vous abonner. Aujourd'hui, à l'épisode numéro 27, on accueille des OnlyFans incontestables, des TikTokeuse avec plus de 3 millions d'abonnés au cumulatif, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On accueille Jade Lavoie et Pomponnet! Yeah! Bonsoir, okay. Mesdames. Merci de vous prêter au jeu sur Prends un break. Comment allez-vous? Bien. La route. Si boire, c'est rouge sur un temps, ça. Moi ou mon jeu? Plus ton. Elle est stressée, deux. Un peu. C'est mon premier podcast. Ouais. À vie? Ouais. Oh! Êtes-vous nerveuse d'un premier podcast? Comment qu'on se sent dans un. Non, pas du tout. Oui, on est vraiment nerveuse. Non, ça va super bien. C'est quoi vos appréhensions de votre premier podcast à vie, mesdames? Pas être comme ça de. Moi, fait comment ça, notre podcast pour ton premier podcast? Ben, votre premier podcast? Et moi, honnêtement, j'arrêtais pas de vous voir passer dans mon accueil pour toi de TikTok. Là, j'ai fait essaie de contacter eux. C'est le hashtag For You Page. Ça. Ouais, c'est ça. C'est le beau-frère qui poste nos TikTok. C'est moi qui ai brain là-dessus. Moi aussi, je vous voyais sur TikTok, alors quand Jade m'en a parlé, j'ai fait ben oui. Avec toi. Bon, on est bien contents de vous avoir les deux ensemble. Je pense que c'est la première fois que... Ah non, on avait eu 5 à 7, mais deux personnes indépendantes qui viennent sur le podcast, deux filles.
je pense. Ouais, ben après 5 à 7, c'est nos premières fois qu'on a deux filles. Exactement. Ouais. Deux fois ouais, plus ouais. de fun. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est ça, fait que ça, parlant de fun, là, nous autres, là, on est connus sur les réseaux pour être les mâles alpha. On est vraiment bons avec les filles. Ouais, des kingpins. Fait, on est vraiment hot. Non, on est vraiment hot, là. On l'a l'affaire. Fait que, mettons, pas que j'en ai de besoin, mais avez-vous des trucs à nous donner pour donner du bon sexe? Tant qu'à... On sort de premier podcast, comment qu'on fait pour baiser? Non, pour qu'on sorte la glace, mais comme ça. Mais j'y connais déjà toutes les trucs, là. Je sais pas, personnellement, ça serait la confiance en toi, genre. Ouais, vraiment, là, c'est ça que moi, numéro un, confiance en soi. Autant pour faire le sexe que pour aborder une fille, ouais, mettons? Ouais, non, il faut avoir la confiance en soi. Puis est-ce genre que tu trouves qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont confiance en eux ou ça paraît pour vous, les femmes, d'avance que ce gars-là, mettons, tu n'y as même pas parlé, là. Tu serais-tu capable de me dire, lui, il n'a pas confiance, lui, il a confiance? Mais il y en a qu'on voit. Il y en a que ça se ressent tout de suite, là. Mais il y en a que non, là. Quand tu lui parles, tu te rends compte que... Il est plus réservé, puis il est timide un peu. Mais... Mon beau-frère, lui, as-tu confiance? il a quand même l'air, là. Il a de l'air à l'air. Je suis pas sûr comment le prendre, ça. Je suis pas sûr que c'est si confiant. OK, ce serait quoi un turn-off d'abord qu'un gars pourrait faire, mettons, sexuellement? Le gars, tu dis, ah, je pense qu'il est confiant, je pense qu'il est pas pire, mais finalement, un petit gros turn-off qui pourrait arriver, là. Ah, mon Dieu, j'ai jamais été confrontée à un gros turn-off dans ma vie. Là. Non. Je suis comme assez open puis tout. Là. C'est vraiment juste la confiance en soi. Si je vois que le gars il est trop timide puis que ça fonctionne pas, ben. Tu sais, si juste s'il n'y a pas confiance, ça marche juste pas. Là. Il n'y a comme pas de suite. Là. OK. Puis toi, Eva? Moi, j'aime ça, les gars gênés. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça peut être cute aussi. Ouais, non? Moi, je trouve que c'est le contraire. Si le gars, il paraît bien, mais il a trop l'air de se trouver beau, il est trop confiant, on dirait que. J'aime moins ça que s'il y a un petit air gêné. C'est un peu en contradiction avec ce que mon ami dit, mais bon. Too much, là. Ouais. Genre le niveau too much, j'ai confiance. Puis t'es-tu du genre à aimer ça qu'un gars n'ait pas d'expérience puis tu y payes une crise de ride, mettons? Ouais, non, c'est une bonne question. On en parle-tu? Ben oui, Chris, moi, ouais. Je veux tout on savoir. On est number one. On est number one. Moi, je sais tout. Je suis comme... Ben, cette année, il y avait un gars, il avait jamais rien fait. C'était sa première fois. J'ai quand même aimé l'expérience. Oh, ouais, il avait quel âge? Je veux des détails. Il était puceau, là. Ouais. Tabarnak. Chris, méchante première ride. Cool. Lys, il a dû se faire, en tout cas. Mais ouais, il avait quel âge? Puis quand 22 ans. 22, puis tu l'as rencontré 22. Comment? Ah, mais là, c'est beaucoup de détails. Ah, peut-être qu'il va se sentir visé, mais en même temps, comment tu l'as rencontré? Il va se sentir visé. Okay. Sur un site de rencontre, pas besoin. Non. De... Juste au bord? Non. C'est sûr que c'est genre, il te DM sur OnlyFans ou quelque chose de même. Puis il te dit. Non, mais c'est pas Fait que, ouais. Hey, shit. Puis lui, as-tu été. C'était quoi sa performance? Ça ressemblait à quoi? Hey, ça a bien été. Ouais. Ouais. Ben, I guess que c'est plus. Mais c'était hors caméra. OK. Ouais, ça devait créer ça aurait été gênant aussi pour lui, mais I guess que c'est mais plus... ça serait un bon scénario. Ouais. J'en cherche un autre si jamais. Scénario première fois, mais en caméra. Si parfois on me DM sur OnlyFans. OnlyFans. Ah, on peut DM sur OnlyFans. Ouais, mais là faut que ça soit vrai là, faut que ça soit vrai un vrai puceau. Ouais, c'est ça parce que Hélène Boudreau est venue sur le podcast. Vous pouvez aller voir ça, c'est toujours disponible. Elle nous avait dit qu'il y a plein de gars qui elle se fait DM par plein de gars, puis que tous les gars veulent comme coucher avec. Puis elle a parfait, venez-vous-en, moi je suis prête. Puis à chaque fois, elle se fait cancel parce que les gars ils ont comme peur, puis ils sauvent. Ou ça marche pas. Ou ça marche pas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, ça marche ça, pas? Ça a vraiment été un fléau dans ma carrière OnlyFans. On arrive pour filmer et ça ne fonctionne pas. Tous les gars, oui, je veux faire une vidéo avec toi. Mais au moment, ils sont trop nerveux. Bande pas, genre. Ouais, ils sont mous, ils viennent pas tant, genre 2-3 gouttes. Faut vraiment être acteur porno quasiment pour que ça marche. Ben non. C'est juste, il faut que la personne veuille vraiment le faire devant une caméra, là. Mm. Personnellement, je sais pas les gars qui ont l'expérience maintenant. Je pense que je vais demander un dépôt de garantie si le gars il veut faire une vidéo avec moi. OK, ça me dérange pas, mais si ça fonctionne pas, faut que je te redonne pas ton dépôt. Parce qu'à un moment donné, c'était ridicule. Genre, tu te souviens, je cherchais des gars, ça faisait 5 gars. De suite, il y avait toujours quelque chose. Tabarnak, ça doit être gossant. Ouais. Tout monter le setup, tout le monde. Oui. Puis, crée. Ouais. Hey, j'avoue, tu fais tout le setup, ça marche pas. Là. Non, puis c'est pas le fun, tu sais, un pénis mou.
Ben, non, effectivement. Moi, j'étais pognée en live avec un gars qui était mou. C'était comme un peu moins le fun en live. Ah ouais, en live, t'es genre... En live, c'était encore plus stressant pour lui. Là. Déjà, ben oui, mais on voyait puis... comme juste cette partie-là. Mais il voulait tellement performer qu'il était mou. Puis moi, j'ai sucé une bite molle. Puis là, le monde était comme, il est mou. Puis j'étais tellement fâché. Ah, oh, le monde était fru. Ben oui. Mais pourquoi ils prennent pas de Viagra? Genre, mais ça, moi, si j'allais faire une scène demain, je me dirais, je vais prendre toutes les... Je vais tricher, je m'en calisse. Même avec du Viagra, avec le stress, parfois, ça fonctionne pas puis ils sont pas capables de venir. Maintenant, c'est obligé. J'ai mon pot de Cialis, du Viagra, c'est obligé, mais même à ça. Parfois, il est juste trop nerveux, là, tout simplement. Non, ça ne sauve pas tout. OK. Ça l'aide, mais... ça ne sauve pas. Je comprends. Puis moi, je suis curieux de savoir comment ça a commencé, comment ça a commencé votre carrière sur OnlyFans puis devenir un peu travers du sexe? J'imagine on peut dire ça. Ouais. Comment ça a commencé? C'est quoi le parcours qui mène à ça? Ben moi, je faisais déjà les réseaux sociaux, là, des photos, du contenu sur des plateformes comme Facebook. Avant, c'était Skyblog, Skyrock, je sais plus trop, là, c'est quoi aujourd'hui le nom. Mais ouais, ça faisait longtemps, depuis que j'ai 15 ans, puis là, j'ai 32, fait que ça fait quand même un méchant bout. Je me suis dit, contenu, j'aime sucer des bites, les deux ensemble, revenus. C'est pas mal la raison de pourquoi je me suis dit OnlyFans. Tu as commencé à quel âge ton OnlyFans, vraiment? Ça fait bientôt 4 ans que je fais ça sur les réseaux sociaux. Okay. Mais OnlyFans, je l'ai connu un peu après la plateforme Mime. C'est comme similaire à OnlyFans, mais c'est comme français en France. OK. Fait que moi, j'ai commencé là-dessus. Après ça, j'ai connu OnlyFans, j'ai été là-dessus. Donc... peut-être début 2019. Là. Fait que t'as toujours été travailleur autonome parce que t'as gagné toujours ta vie avec ouais, ça? Ouais, c'est ça, avec les réseaux sociaux et okay. Le contenu. Là. Fait que j'ai mêlé les deux ensemble. Puis là, ben, let's go. Ben oui, pourquoi pas? Puis t'as pas d'autre job? Non, je fais vraiment juste ça tout le temps. Puis d'aussi? Eh ouais, moi, je sais déjà beaucoup de bits avant OnlyFans, alors je me suis dit, pourquoi ne pas rentabiliser le tout? Chalice. Ça a été quoi ton idée de départ pour te dire, moi, je m'en vais sur OnlyFans? À la base, j'étais déjà sur TikTok et il y avait une forte demande, alors je me suis dit « Pourquoi pas? » OK, t'avais pas d'idée de faire ça avant, c'était juste ton compte TikTok. C'était vraiment pour le fun que je faisais des TikTok. C'était-tu TikTok sexy? J'imagine que oui, si t'avais beaucoup de demandes, ça devait être un peu osé, j'imagine. Oui, des TikTok. Ça fait combien de temps que t'es sur OnlyFans? Fais pas comme ça, ils ont pas checké, là, avant qu'ils... J'ai tout... J'ai tout checké vos TikTok, je fais comme si... C'est notre recherchiste number one. Ça fait un an et demi, moi, que je suis sur un an et demi. OK, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Puis est-ce que t'aimes ça? T'es-tu bien là-dedans? Ouais, j'adore ça. Puis tu gagnais ta vie comment avant? Là, tu gagnes ta vie, tu travailles encore dans le fond, tu gagnes pas juste ta vie avec OnlyFans. Oui, je fais juste OnlyFans maintenant. Puis avant, avant, j'étais dans le domaine hospitalier. Hospitalier, TikTok, puis là, tu faisais les deux, puis à un moment donné, tu as switché OnlyFans, puis là, tu as fait assez d'argent, puis tu t'es dit, je vais complètement lâcher l'hôpital, puis il faut que ce soit. Non, ça s'est fait d'un coup. OK, tu as décidé de faire OnlyFans, puis tu as lâché ouais, dès la deuxième journée, là. Parce que tu savais qu'il allait avoir une crowd de TikTok qui allait te suivre là-dessus. Oui, non, mais c'est ça, quand potentiellement. J'ai vu... Parce que c'est pas commencé de zéro, vu que tu avais déjà une plateforme pour... Puis t'as-tu fait la promotion de ton OnlyFans sur TikTok, ou... Non, je dirais que j'ai pas nécessairement besoin de faire de la promotion. Les gens, ils le savent et ils s'abonnent, mais j'en parle pas directement jamais. Parce que tu peux pas te faire bannir, mettons. C'est ça. Ouais, c'est oui, ça, c'est hein? ça. Tu peux le faire bannir. C'est hein? une plateforme qui est 13 ans et plus. Là. Puis justement, toi, Jade, on a vu sur ton site que tu faisais de la porn, genre du sexe. Il y a du monde qui sont sur OnlyFans et qui n'ont pas de sexe. Toi, est-ce que tu fais de la porn aussi? Oh ouais, de la porn. Porn. Ça marche comment? Beaucoup de variété sur mon OnlyFans. Ça marche comment ça, un plateau de tournage? Je sais qu'on a dit qu'il y a des gars qui bandaient pas, mais mettons que le gars il bande. C'est comment ça, genre, comparé à faire l'amour dans la hors caméra puis tout là, tu sais, comment ça marche fourré devant des caméras? Ben, c'est sûr que c'est différent là, tu sais, pour nous comme le gars, on est un peu, tu sais, pas anxieuse, mais on est là focus travail, fait que c'est sûr que c'est pas c'est pas le party là. C'est ça, c'est pas comme quand tu reviens avec un gars après le bar là. Mais non, c'est ça, c'est tu ouvres ta caméra, des fois il y a quelqu'un qui filme, des fois non. Moi souvent je mets juste comme le trépied là. C'est ça, mais plusieurs savoir. Angles, fait qu'il y a comme plusieurs prises. OK. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais juste ça indépendant. Tu fais pas affaire, mettons. Il n'y a pas des vidéos, toi, sur Pornhub. Non. Puis, c'est-tu quelque chose que tu voudrais? C'est-tu quelque chose qui pourrait être payant ou c'est pas un bon move? Non? Pourquoi? Ben, parce que moi, ça fonctionne bien en étant sur OnlyFans d'une manière comme
pas privé parce qu'on s'entend que tout. Mais genre du sens que je gère ce que je fais. Mon revenu, mes vidéos. Ton image. Ouais, c'est ça. Oui, tandis que sur Pornhub, ça peut... T'es moins le proprio de ton image. C'est ça. Ça s'en va vite un peu partout. Puis mais... je pense pas que, comme on avait parlé avec Hélène, que ça paye tant que ça. Là. Elle avait eu des offres, puis c'était vraiment pas grand-chose pour... Ouais, c'était pas beaucoup, mais ça peut donner un coup de pub pour vendre plus de comptes OnlyFans, mettons. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est sûr. Mais le monde te voit baiser gratuitement. Ouais. Tandis que le but, c'est que ouais, le monde soit curieux. Peut-être que tu parles d'exclusivité, ouais, que la seule façon que je peux l'avoir tout nu, c'est si je paye. Ouais, ouais, exact. Je comprends. Tu sais, on a eu Hélène Boudreau à notre podcast, puis elle a dit que ça a eu un impact avec sa famille, comme que c'était son frère, il parle plus pantoute. Ouais, elle disait ça. Puis sa mère, il parle plus. Est-ce que vous autres, ça a eu un impact ou pas pantoute? Ben oui, moi, ça a vraiment eu un gros impact dans ma famille. Après que j'ai ouvert mon OnlyFans, ma mère a décidé de aussi s'ouvrir un compte OnlyFans. Alors, ça a vraiment affecté la dynamique dans la famille. Faut dire que les soupers de Noël sont plus les mêmes. Ah, barman. Y a-tu de la compétition, genre? Non, y a pas de compétition. Parfois, on partage les mêmes acteurs. Ouh! C'est moi. Difficile de trouver des acteurs. Fait que quand il y en a un bon, ça fonctionne. Ben regarde, maman, lui, il est bon. Hey, man, les raisins sont en rabais à l'épicerie. C'est vrai. J'ai trouvé une bonne bête pour toi. C'est vrai. T'es genre tes frères de queue avec ta mère. T'es frère de... Sœur de... Ouais, mais là, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, sœur vaginale. Ouais, sœur vaginale avec ta mère quand même. Sœur de mais nous. Mais pas tellement, parce qu'on n'a pas tourné en même temps avec les mêmes gars. Mais j'ai déjà filmé. On a-tu le droit de faire ça? Mettons, nous deux, nous les gars, si on a couché avec la même fille, on va dire qu'on est frères de queue. Ouais. Ouais, c'est comme une expression. Fait que vous seriez sœur vaginale avec toi, putain. C'est quand même ouais. Cool. C'est ça. Sœur, on peut dire que moi et ma mère, on est sœurs vaginales. C'est ça qui est drôle. Ben, qui est spécial. On sait pas si c'est drôle, mais c'est spécial. Mais c'est quoi qui est différent au souper de Noël? On vérifie le cocombe avant. Est-ce que tu l'as utilisé pour ton contenu? Non, maman, c'est correct. Que tu peux le prendre. On fait, passe ça dans la salade s'il a été utilisé. Personne ne va rien voir, surtout pas grand-papa. Toi, heureusement que les cocombes viennent emballer. Toi, Jade, as-tu eu un impact sur ta vie familiale, ta vie en général, ton métier? Non, du tout. Là. J'ai quand même une famille, heureusement, assez open. Puis ça a vraiment été le contraire. Ils sont fiers de moi. Ah, oh, ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été bien accueilli. Ils ont vraiment été continus. Genre, hey, va follow ma cousine. Ma cousine a dit ça tout le temps à ses amis. Fait que ça a vraiment été parfait. C'est le fun d'avoir un environnement comme ouais, ça vraiment. Dans un métier qui est un peu hors du commun. Là. Ouais, c'est ça. Les jugements viennent d'ailleurs. Ouais, ouais, je comprends. Puis comment tu décrirais ton métier aujourd'hui, là? Oh, il est fun. Okay. T'aimes ça. Fun, ouais. Mais mettons décrire ce que tu fais, tu sais, parce que c'est quand même large. J'ai l'impression que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur OnlyFans, vous travaillez sur sexe. Ça serait quoi si tu avais un mot à dire sur ce que tu fais dans la vie? Ça serait quoi? Ou une description de ton métier? Moi, je fais du contenu pour adultes. C'est ce que je dis. Okay. C'est mon travail. Un mot? Ben, ça peut être. Grosse bite. Ben, comment tu. Grosse bite. Grosse bite. Ok, grosse bite. C'est comme ça que tu décris, c'est comme ça que tu décris yeah. Ton métier. Ouais. Grosse bite. Okay. Bon, parfait. Non, juste. Ok, bits. Ça, c'est fait. De tous les gens. Puis êtes-vous du genre à faire du contenu avec la nourriture? Vous? Parce que tu parlais de cocombe tantôt, là, mais je me suis dit peut-être que des carottes puis le restant, ce qui va dans la salade. Tu... Mais on n'a pas le droit sur OnlyFans, hein? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo avec des cocombes, là. Quelqu'un me le passait, puis on avait. Il y avait comme des affiches partout de ça, là, à un moment donné. Puis je l'ai vendu sur OnlyFans. Puis quelques mois après, OnlyFans m'a mis plein de... Il y avait, tu sais, des comment on appelle notifications. Ça? Ouais, des avertissements, genre en rouge, là, tu sais, danger, tu vas perdre ton compte quasiment, là. OK, pas le droit, que pas droit pas de vendre droit, de cocombe. Non, t'as pas le droit d'utiliser tout ce qui ressemble à un objet ou à la nourriture. Comme, mettons, je sais pas, là, il existe un jouet qui ressemble à une canette, t'as pas le droit. OK, tu peux pas te rentrer un bibelot non, dans le cul, non, genre. T'as pas le droit, non. Malheureusement, t'as pas le droit. C'est pas juste la bouffe. Non, dommage. Ah, fait chier. Ah, mais j'ai des astis de beaux bibelots, là, quand tu regardes ça, là. On peut pas. C'est sur Jerkmate, hein, tu peux me rentrer de la nourriture dans ton... Ouais, on peut, ouais. Ouais. Puis avez-vous l'intention de faire ce métier-là toute votre vie ou comment, tu sais, avez-vous un deadline, tu sais, comme, encore, je reprends Hélène parce que c'est elle qu'on a reçue, là, mais Hélène, elle a un objectif de, je pense, c'est 35 d'arrêter puis changer de vie. Elle se fait enlever les seins. Ben là, ça, c'est dans mais quand tu changes de nom, il n'y a pas comme une affiche dans le Journal de Montréal qui dit que tu as changé de nom?
sais pas. Ouais, mais elle veut partir de Montréal. Ah, OK, elle veut. Ouais, non, ouais, elle veut être off the grid, puis s'en aller, puis plus se faire connaître jamais. Ça, non, moi, j'ai pas d'objectif. Là. Quand ça paye plus, ben ça paiera plus. De toute façon, moi, je dépense quasiment pas. Je garde tout dans mes... Qu'est-ce que tu investirais? De l'immobilier, ouais, la ben bourse, les NFT? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben là, je suis dans crypto. OK. Puis j'irais dans l'immobilier, vu que j'étais là avant d'aller dans... Ben, quand j'étais plus jeune, là, okay. Avec ma famille, vu qu'il y avait comme une... Ils vendaient des maisons. Okay. Moi, j'ai comme été un peu là-dedans quand j'étais jeune. Fait que t'as déjà un bon background là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être facile pour toi de prendre ta thune puis de la faire fructifier. Ouais, c'est ça. Bon, ben, let's go. On te souhaite la meilleure des chances. Toi, Eva? Ben, un peu comme je disais, tant que ça fonctionne, moi, j'aime ça. Fait que je verrais pas pourquoi que j'irais faire autre chose. C'est intéressant. Puis est-ce que c'est une crainte de devenir irrelevant? De te dire peut-être que dans 5 ans, mettons, je vais moins pogner. T'sais, est-ce que t'as peur de ça ou ça t'habite pas vraiment? Non, ben, on le sait avec les réseaux. C'est en évolution. Parfois, il y a des restrictions par rapport à la promotion de tout ça. Donc, que dans quelques années, on le sait que ça c'est possible que ça baisse. Là, on en est consciente, là. Oui, je comprends. Puis quand vous êtes sur votre plateforme d'OnlyFans, est-ce que vous parlez entre vous, genre, qu'est-ce qui est payant? Est-ce qu'il y a un comme teammate, vous vous donnez les trucs, puis tout, ou c'est vraiment indépendant? Moi, je dis pas c'est quoi qui paye, vous dites pas vos chiffres. Mais non, on le dit entre amis, là. Okay. Quand on veut collaborer aussi ensemble, on se dit notre pourcentage que sur OnlyFans, pour justement qu'on soit honnêtes les unes envers les autres. Là. C'est quoi ça, le pourcentage sur OnlyFans? Ben, plus que tu fais, dans le fond, de tranches d'argent, plus que ton pourcentage descend. OK. Fait que, ouais. Que tu donnes à OnlyFans. Fait que, mettons, au début, c'est 50-50, puis plus que tu fais de l'argent. Non, genre 1% des filles font tant sur OnlyFans, genre 0,25, puis là, ça s'en va. Plus, ouais. De plus tu descends, plus t'es big sur OnlyFans. Là, je t'en ai des questions, là. Je veux les cadeaux, man. On a parlé de Noël tantôt, là. On a des petits cadeaux pour ouais, vous. Ouais, c'est ça. J'ai préparé des cadeaux, les filles. C'est Frank qui les a. Oui. Je voyais que je me regardais, là, je les ai pas en ma possession, mais Eros et compagnie sont là pour vous gâter. Parce que là, on parle de OnlyFans, mais là, vous allez pouvoir être équipés là, pour votre OnlyFans. Si vous faites des scènes solo, on est là pour vous autres. Oh, un centième dildo! Puis pendant que vous l'ouvrez, s'il y a une chose que j'ai à dire, c'est les porn stars qu'on a rencontrés à date. C'est quoi? Ils ont vraiment l'air à triper sur leur job. Tu sais, on rencontre beaucoup de monde, puis il n'y a pas grande personne qui trippe sur leur job comme les pornstars trippent sur leur job. Mais c'est vrai, parce qu'on vous aimez vraiment? Fait du fun pendant qu'on travaille. Mais ça pourrait être payé à baiser à jour. Ouais, mais en dehors du travail, je pense qu'il y a plus de difficultés que quelqu'un qui, mettons, qui a une job qui est plus considérée comme normale. Là. C'est pour ça qu'il peut avoir des downsides, mais vous avez vraiment l'air à bien vivre avec ces downsides-là. Puis Chris, un gros Chris de lollipop à deux bouts. Ouais, ça, je crois que c'est pour atteindre le point G. Ouais, ça, c'est pour atteindre le point G. Ils me l'ont expliqué. Ça, c'est pour la version en couple. Fait que si t'es avec quelqu'un, il peut te le rentrer. Puis toi, t'as la version célibataire. Fait que ça, c'est fait pour que t'aies comme un crochet. Là. Tu peux t'arranger tout seul avec ça. OK, ça, c'est en couple. Ben, idéalement, mais tu sais, j'imagine bien que tu serais capable de trouver ton bonheur tout seul. Notre prochaine vidéo. Oh, yeah! Merci à Eros et compagnie de leur donner du stock pour faire du contenu. Si t'as envie de faire du contenu comme eux, ben, Chris, il y a toutes sortes d'objets sur erosetcompagnie.com, baby, avec le break 15. C'est notre code promo. T'as 15% de rabais sur tout sur le site, mon minou. Yes, sir, mais c'est pas tout pour les cadeaux Eros cette semaine, parce que oui, on garde nos invités, mais cette semaine, on a décidé de gâter Frank. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu sa petite surprise personnelle. On lui a fait un cadeau personnalisé. J'ai bien hâte que tu regardes ça, mon Frankie. Ça me fait un énorme plaisir. C'est quoi? Shout out à Louis. Je pense que ça va le tuer, mon coco. Le chanceux. Fait que shout out à Eros. Aïe, c'est quoi? C'est tu vas voir. Hein? OK, fait que là, on a eu la discussion. Tabarnak! On sait que t'aimes les speedos. Chris, ça cache pas le paquet pour un astuce ça. Si boire. Tu game? T'es-tu game? Ça serait bon. Ben, faudrait que je mette mon autre speedo en dessous, là. On va tous me voir la cache pour vrai. Ben non, on est entre nous autres. On est ouais. Ta famille. OK, je vais essayer de faire de quoi. Pendant ce temps-là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le segment célibataire. Ce qu'on veut savoir,
Ben vas-y, Jay, anime-le pendant que je vais me changer. C'est ça que j'allais dire. Dans le fond, c'est que ma célibataire, c'est que vous nous comptez votre meilleure anecdote ou vos meilleures anecdotes de votre période de célibataire. Je sais pas si vous êtes célibataire en passant. Oui. Oui? Oui, et toujours à la recherche de nouvelles bites. Comment tu décrirais ma job plein de queues, des grosses queues? Je t'en cherche de bits. Mais je respecte. C'est ce que tu veux, puis c'est important. Fait que continue. Ben, c'est pas mal ça. Ça peut être sexuel comme ça peut pas être sexuel, mais c'est, évidemment, c'est je ça. Pense, surtout toi, je pense à être sexuel. c'est difficile pour moi parfois de penser à des histoires pas sexuelles. Pas sexuelles? Ben, regarde, c'est pas grave, on aime ça le crunchy. Je sais pas, un break, on aime bien ça le. Est-ce que le sexe mène ta vie? Ben, c'est notre job. C'est juste ça. Je veux dire, est-ce que ça contrôle ta vie? Genre, est-ce que t'as vraiment. Si tu as un besoin ou tu serais capable, mettons, de passer une couple de semaines sans coucher avec quelqu'un? Ben oui, c'est un besoin et c'est un besoin aussi pour mon travail. Alors, c'est vraiment un double besoin. Oh, okay. Je peux pas me permettre de prendre des pauses. Il n'y a pas de semaine sans sexe. Ça n'existe pas. Ouais. Ben, ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. Ça a l'air nice. Ça a l'air nice, booby. Parce que. Moi, ça existe en tabarnak. On parlait là. Bon, fait que votre anecdote. Je rencontre toujours des anecdotes vite comme ça, il y en a tellement. C'est vrai. En fait, j'étais au Mexique, il y a un acteur, ben un créateur de contenu qui est venu pour faire une vidéo avec moi. Finalement, ma mère était venue pour filmer et finalement, il a fait une vidéo avec moi et ensuite, il a décidé de faire une vidéo avec ma mère aussi. C'est donc bien. Mais back to back, genre. Ouais, ouais, il a bien performé, il a vraiment bien performé. Ah, c'est bon. Ok, c'est très drôle. C'est une idée, ça? Oh! Non, non. Bon, attention, mannequin! Ça dégénère, je prends un break. Barnac. Bon, ben, on poursuivons, mesdames, messieurs. Y avait-tu d'autres choses? Ah, je pense que c'est assez, là, oui, mais. Ok. T'en as-tu d'autres? Sûrement. Toi, Jade, ta meilleure anecdote, Christiane. Elle est vite comme ça, là. Y a-tu un tournage qui a mal viré à un moment donné ou. Oui. On y va avec ça. OK, bon, ben, ce tournage-là qui est mal viré. Dans le fond, on avait loué un hôtel, une chambre d'hôtel. Il faisait vraiment noir, il faisait vraiment chaud, on était tout écœurés. Ça faisait une heure et demie qu'on tournait. Puis, juste à la fin, quand il y a eu le come shot, là, je le jure, quand il y a eu le come shot, la caméra a lâché. Oh! Tu me le jures? Je te le jure. Oh. Ah. On le ressent, là? Je te le jure. C'est le money shot, hein, qui appelle dans le point, c'est important. Il faut, là, oui, oui. Tu vas vendre une vidéo sans le come shot. C'est ça, j'ai tantôt, t'as dit, ou sinon, des fois, il y a deux, trois gouttes qui sortent. C'est ça, parfois, c'est le gars, il bande, mais c'est comme... C'est tant grave que ça, oui, même si le sexe est fucking bon, genre. Moi, je me rends jamais à la fin d'une vidéo, je vais être bien honnête avec vous. Moi non plus, le come shot, je comprends pas tant, honnêtement. Mais il faut, parce que, tu sais, c'est une vidéo aussi qu'on vend, puis que ça vient de nous, c'est nous la production, puis tout. Fait que si on n'offre pas quelque chose de bon, peut-être qu'il va pas nous racheter du contenu après, là. Mmh. On ne sait pas qu'est-ce que la personne aime dans notre vidéo. Fait que si c'est le come shot à la fin, ben, puis on l'a pas, il nous rachètera pas de vidéo. Fait que tu fais la job jusqu'au bout. Ouais, exactement. Bon, je comprends ça. Puis comment qu'on fait pour rencontrer quand on est célibataire, mais qu'on a un OnlyFans, puis que Chris, ben du monde nous ont vu nu. Y a-tu quelque chose, vous faites-tu quelque chose de particulier, spécial? Réseau de rencontres, juste des amis. Réseau de rencontres, non. Non, mais pour vrai, moi, j'ai pas de problème. Là. Les gars viennent me parler tout de suite. Puis... Ouais, j'avoue que la file doit être. Ouais, je comprends. Mais je me suis jamais sentie à l'aise, de toute façon, dans des réseaux de rencontres. Là. C'est quoi la question spécifique? Comment tu fais pour rencontrer quelqu'un avec qui tu voudrais être en couple ou qui quelqu'un tu veux coucher, mais sans caméra? Là. Je check son bat. Non, c'est vrai. Oh, la pile! La pile! C'est l'expansion, ça va! Bon, mais Chris! Fait que. On parlait de toi, me semble. Je me reste à moi déstabiliser. On parlait de. Comment rencontrer? Ouais, c'est ça qu'on parlait. Comment rencontrer? Comment tu fais pour dater, mettons? Parce que tu nous disais que t'étais célibataire. Comment tu. Tu vas-tu sur Tinder aussi?
Non, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Faut déjà que je gère les acteurs. Ouais, fait comment tu fais? Fait que mettons, tu veux rencontrer un gars, puis que ça soit ton chum, comment, oh. comment tu fais? C'est fatigant, ces petites bêtes-là. comment ça? Nous, ou les gars que tu rencontres? Là? Ben, les gars, okay. En général, ben, je sais pas. Ben. Non, il y en a. Il y a des bons gars. Check-nous. Ouais, mais c'est toujours, c'est comme un hamster, c'est toujours de l'entretenir, de s'en occuper, c'est du temps. Faire sa cage. Maudit. Comme un hamster. On dirait Andrew Tate qui parle des filles. Je suis désolée. On est des hamsters. On est comme des hamsters. What the fuck? Mais dans le sens que c'est du temps, puis il faut s'en occuper. Puis t'as pas de temps pour ça. Ouais, non, j'ai pas le temps pour ça. OK. Fait que, non, mais dans le fond, ce que tu veux dire, c'est une relation, c'est du temps. Ah oui. Pas nécessairement les gars. Ou c'est les gars. C'est du temps. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que moi, je pourrais dire à ma part des filles. Là. Je pourrais dire à ma fille. Là, c'est, faut que tu t'en occupes, faut que tu y amènes à manger, faut que tu répondes aux textes. Faut que tu t'entretiennes. Tu te ramasses. Fait que c'est ça. C'est-tu les gars que tu trouves que c'est beaucoup de job ou c'est une relation? Non, les gars. Okay. Je suis désolée. Okay. Non, on comprend ça. Puis est-ce que pour vous, il y a une différence entre de la porn puis OnlyFans? Ben, vu qu'on fait les deux ensemble. Ouais, c'est sûr que moi, au début, c'était pas ça, là, OnlyFans. OnlyFans, c'est on monte nos seins. Oui, c'est ça. Après, c'est l'argent, puis là, ouf, ça devient de la porn, c'est ça. Okay. Parce que c'est plus payant, fait. Ben oui. Fait que toi, t'as commencé ton contenu OnlyFans juste avec des photos coquines. Ouais, moi, finalement, en plus, je le disais, puis j'étais fière là, dire que je faisais juste de la photo érotique. OK. Mais tu sais, l'argent rentre, le monde veut voir plus, ils te le demandent, t'es comme, non, mais oui. OK, c'est ça. Fait que là, ça a passé à de la porn. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'avais 15 ans au début. Non, mais pas de ça, là. Au début des réseaux sociaux. Ah, OK, je pensais que quand t'as commencé à travailler dans le sexe, t'avais 15 ans, j'étais genre tabarnak. C'est quoi tu faisais avant que ça soit du contenu sexuel? Ben, de la photo. Puis j'écrivais des blogs. OK. Puis toi, est-ce que ça a été directement de la porn ou t'as aussi commencé avec des photos coquines puis ça a évolué vers la porn? Ça s'est fait assez rapidement. Donc, peut-être première semaine, c'était de la lingerie. Ensuite, c'était des photos tout nues. Finalement, l'argent rentre puis ça va vite que c'est pas seulement l'argent qui rentre. Puis le Québec veut savoir, ta mère, elle, ça a été quoi son cheminement? Ma mère, ça l'a été... Ah, Eva, moi aussi, je vais m'ouvrir un OnlyFans. Est-ce que tu crois que je pourrais? J'ai dit, ben, essaye-les. Ça fonctionne bien pour elle. Ça fonctionne bien. Ouais. Il y a une clientèle pour. Ben oui, c'est la seule qui offre du contenu Grand MILF. Oh, ouais. Je me suis toujours demandé sur OnlyFans, là, parce que, tu sais, évidemment, t'as du monde qui s'abonne, t'as des membres, puis ça, c'est quand même une grosse partie de votre revenu OnlyFans. Mais mettons, dans les DM, je sais que le monde peut payer plus pour avoir plus d'exclusivité, je pense. C'est quoi le pourcentage, mettons, de comme votre revenu par rapport aux membres qui s'abonnent, par rapport au monde qui paye des extras? Oui, au moins un tiers. Oui, c'est ça. C'est surtout les abonnements. Moi, je me focus vraiment sur que tu t'abonnes, avoir le maximum des concours, d'actions, de photos, de petites vidéos. Ouais, faut que tu aimes le mur, là. Oui, c'est ça. Après c'est ça, parce si que tu veux ça, plus, que... parce qu'on y pense pas des fois, là. Mais après, à le mur, tu peux demander plus. Mais ouais. C'est l'argent vient mur, principalement de nos abonnements. Puis est-ce que vous faites des gros stunts comme Hélène, elle vient de faire un live qui a planté dernièrement, puis on est dans ses close friends, on a vu le montant, on est comme tabarnak, c'est... Chris, tu ferais ça à chaque semaine, c'est party, let's go. Ben, moi aussi, je fais les lives qu'elle fait, puis c'est payant. OK, c'est ça que... ça a payé ma maison, c'est payant. Ouais. Mais c'est ça, justement. Hélène nous a dit qu'elle était millionnaire. Vous autres, est-ce que vous diriez que c'est le cas? Ben, depuis que je fais ça, j'ai fait plus qu'un million, oui. Tabarnak. Puis, combien d'heures tu mets par semaine là-dessus, mettons? Ça représente quoi comme charge de travail, gérer un OnlyFans? Mais c'est parce que même quand on travaille pas, on travaille. Okay. Comme des fois, nous, on se parle quasiment tous les jours, puis je fais comme, ah, c'est ma journée off. Ah, fait que t'édites, je fais comme, ouais. Fait que j'édite mes affaires, on pose. Hey, ça doit être fucké, ça. C'est comment s'éditer et baiser? Tu te juges-tu, là? Ah, oh, Seigneur. Ah, vous éditez vos chutes. Que moi, je pense, mais ouais, en dehors d'OnlyFans, je suis la pire, là. Je me juge tout le temps, mais pour une vidéo OnlyFans, on dirait que c'est moins pire. Je me dis, écoute... Rendu à poil, là. C'est ça, c'est ça. Mais il y a quand même des angles que non, là, tu sais, on...
Ouais. T'as clairement moyen de te payer un montant, c'est parce que t'as dû le faire toi-même. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un qui veut tout faire moi-même, fait que j'ai fait tout moi-même, puis ça prend du temps, mais j'aime mieux ça. Même chose, je veux pas qu'on, qu'on touche à mon montage. Je veux vraiment choisir ce que je mets. Ouais. Puis est-ce que vous sentez le besoin d'innover sur votre plateforme pour continuer à bien gagner votre vie ou ça se fait tout seul? Vous faites pas mal tout le temps le même contenu, un petit cocon à gauche à droite, puis ça se passe ou. Non, mais c'est sûr qu'il faut avoir des idées nouvelles. Sinon, les gens, ils veulent pas rester à tout le temps voir la même chose. Tu sais, le gars qui est là depuis, mettons, 4 mois, il va se dire, bon, mets quelque chose de nouveau. C'est ça, vu que tu es. OK, fait qu'il faut que tu innoves pour garder tes abonnements. Là. Okay. Absolument. Puis avez-vous des gros ratios de désabonnements? Tu sais, est-ce que vous, des fois, vous faites un truc qui déplaît au monde puis vous perdez quasiment, je sais pas, un quart ou un dixième de vos abonnés ou c'est toujours régulier, constant? Moi, c'est régulier, là. Ben, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que souvent, les gens, ils s'abonnent pour un mois. Mmh. Peut-être la moitié vont seulement... Ils veulent juste voir, ils s'abonnent un mois. Mmh. Puis sinon, ben, les gens, ils restent. Et c'est toujours de trouver des idées, des concepts, de mettre de l'action. Fait que t'as une gang qui reste, puis t'as une gang qui vont s'abonner un mois, vont repartir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfois, ils s'abonnent un mois, plusieurs mois après. Ah, oh, il va y avoir tel événement. Comme là, en ce moment, on est en train de faire les les Olympiades. Non, les Olympiades. Les Olympiades. En ce moment, on fait les Olympiades. Donc, on a commencé. C'est des concours qu'on fait entre filles. C'est pour mettre de l'action, c'est pour le fun. On partage ça sur notre mur. C'est quoi, mettons, les épreuves? Ma préférée, c'est la bataille de Saint. Ouais. Tes seins sont puissants. Je pense avoir une ma préférée aussi. C'est vraiment drôle. Je pense là, mais que je participer. C'est hot, pareil. Ouais, vous avez un participant. Ah, j'ai des... En tout cas. OK, fait que la bataille de seins, c'est quoi les autres épreuves qu'il y a dans les Olympiques? Il y a course à cheval. Ah non, c'est vrai, c'est... Non, excusez. Ah, je recommence. On l'a pas fait. Il y a concours de fesses rouges. Ouais. Donc, on claque le cul là, de la fille. Donc, le cul qui vient le plus Mon rouge cul, rapidement. Qui fait partie des culs rouges. Fait que c'est lui qui t'offre le plus longtemps. Non, les fesses c'est plus rouge. Ah, OK, OK. C'est une affaire de couleur. Ouais, une affaire de couleur. C'était quoi? Ah oui, elle était juge. un dildo avec plusieurs couleurs, donc se rendre le plus loin dans la couleur. Celui qui... Ah, oui. Comme un contre-gouin. Dans la bouche. Ouais, ouais. Celle qui va le plus loin, dans le fond. Ouais. Mais pas dans le vagin. Non, dans la bouche. Dans le vagin, ça serait... Ça... Ouais. Ben, le... C'est ça. Il y a une limite. Et avez-vous peur de... Tu sais, mettons, avec TikTok, on peut perdre sa plateforme. Avez-vous peur de perdre votre plateforme avec le contenu que vous avez? T'sais, est-ce qu'il y a des règles vraiment préétablies comme pas de bouffe qui peuvent faire que vous pourriez perdre votre plateforme, dont tous vos abonnés, dont vos revenus? C'est-tu inquiétant ou... Ouais, exactement, OnlyFans. J'ai perdu, je crois, 6 comptes mais TikTok. Je parle d'OnlyFans. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Mais moi, j'ai pas peur de perdre mon OnlyFans parce que, tu sais, on le sait, c'est quoi à peu près, là? Tu sais, ils veulent pas avoir d'urine... De sang. De sang, puis tout. Fait que, tu sais, on connaît quand même la limite, là. C'est pas très compliqué, là. Okay. On respecte les règles. Moi, je suis pas inquiète. Ils vont pas. Ils sont pas. Pas faire exprès non plus. T'sais. C'est ça. Ouais, mais tu sais, des fois, comme TikTok, je fais des. Je t'avais de perdre mon compte. Puis je fais des affaires qui, comme Chris, c'est sûr, c'est pas dangereux. Ils me disent c'est dangereux ou nudité. Ouais, je suis pas nu, tu sais, surtout pas comme en ce moment. Puis. Mais notre cap, ça passerait peut-être pas sur TikTok. Mais sur prends un break, tout passe. Mais c'est vrai que si on veut en publier sur TikTok, si tantôt tu t'habilles, ça va nous faire peut-être plus de judicieux de même. Ah oh, ouais, je vais m'habiller après, inquiète-toi. Comme on n'apprécie pas, hein? Bon, non, c'est ça que je comprends. Ça, mais... Comme disait grand-maman, OK! Mais aussi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, vous dites que là, mensuellement, vous pouvez en perdre, vous en regagnez, vous essayez tout le temps de vous réinventer pour essayer de garder un auditoire puis qu'ils reviennent puis qu'ils soient intéressés. Jusqu'où vous êtes rendu? C'est quoi l'affaire la plus wild, mettons, que vous avez faite sur votre OnlyFans? moi, je fais un. Ok, vas-y. Non, mais vas-y. Non, mais c'est correct. OK, je vais y aller. En ce moment, je suis sur un projet, le tour du monde. Donc, je veux baiser un gars de chaque pays de la Terre. Ouh! Ouais. Oh, tabarnak! Peux-tu commencer par le Vietnam, brother? C'est déjà difficile de trouver des acteurs. Là, en plus, on cherche des acteurs de pays spécifiques. Donc, toujours à la recherche. Et puis, il y a beaucoup de pays. Oui. Où, là, dans 306 pays. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est toujours des Français, des Québécois. Ah, je veux participer à ton tour du monde. C'est fait. Je suis désolée. Canada est fait. France est fait. Argentine est fait. Haïti est fait.
Il me semble que j'en ai un cinquième. Ah ben Chris, ça va bien. Il t'en manque 300. Non, il me manque. J'en ai fait 5. Il t'en manque 300. Ah oui, États-Unis. C'est qui le meilleur pays à date? États-Unis. Mais les États-Unis a performé avec moi et avec ma mère par la suite, donc. Y a-tu pris une douche au moins entre les deux? Oui, il a pris une douche. Il a pris une douche, oui. Good job, États-Unis. T'as du respect. Une fois que vous avez fini les deux, puis vous arrivez, genre, on va-tu au resto? Oui, on a été au resto les trois ensemble. Ah, il était vraiment gentil, ça a super bien été, ça a vraiment été une belle expérience, sérieusement. C'est hot. C'était le fun. C'était pas gênant, on est vraiment ouvert dans notre famille. On comprend. Très ouverte. Ouverte, ouais. Dans tous les sens du terme. Toi, Jade. Hein? Le plus wild que t'as fait sur ton OnlyFans? Ben, moi, honnêtement, pour moi, là, c'est mon avis, ça a vraiment été le casting. De choisir un fan pour faire partie de ma vidéo, j'ai trouvé ça comme c'était pas. Je m'attendais pas à faire ça. Ok. Ouais quelqu'un. Puis il y a eu quand même beaucoup de personnes, puis du monde connu, je vais pas dire de nom, mais qui ont participé, puis j'ai fait oh! Tu t'attendais pas à ça? Non. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes. Hey, pour exclusivement Patreon, on pourrait pas en avoir un. Oh non, je peux pas. Ok. Ah non, c'est chiant. Mais non, j'ai été vraiment surprise, puis c'est pas moi qui décide qui gagne aussi, fait que c'est ça qui. Ça m'a rendu un peu. Un peu anxieuse, là, ouais, mais. Ouais, je comprends. Ben, c'était quoi? C'était un concours pour qu'il couche avec toi après? Ben, c'est vidéo? Comme moi, je fais voter, mettons, les pénis. Comme là, il y a des concours de pénis. Choisis ton groupe de pénis préféré. Le monde y vote. Puis après, à la fin, il y a trois pénis. Puis le premier. Fait que même les gars votent pour leur pénis préféré. Fait que c'est vraiment cool. Oh, ouais. C'est plein de beaux projets. Chris, comment qu'il vote pour lui et que la bête ressemble le plus à la sienne? Ben peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est eux qui décident qui gagne. C'est ça, il faut qu'on en parle. Sur OnlyFans, les gens aiment s'identifier à la bite. Donc, une bite qu'ils peuvent s'imaginer que c'est leur bite, c'est très important. OK, il faut pas que ça soit une grosse amanchure parce que le monde, c'est comme c'était réaliste. Ils veulent que ça soit... Ouais, exactement. Ils veulent s'identifier, ouais. Fait que vous êtes à la recherche de bits normales. Oui, des bits normales. Mais il en faut tout le monde a des bits différentes, alors c'est d'avoir des bits variés pour que tout le monde puisse s'identifier à une bite. OK, mais moi, j'ai des gars qui aiment la bite que j'utilise souvent. Ils sont comme, j'aimerais ça l'avoir dans ma bouche, moi aussi. Attends. Fait que quand j'ai des grosses bites, ça va super bien. Moi aussi, il y a une bite qui fonctionne mieux sur mon compte. Il y en a une qui est comme préférée, fait qu'on bite. On l'utilise plus souvent. Puis c'est quoi les critères d'une bite préférée? Ça fait tellement beaucoup. Mais c'est les gens qui décident. En fait, moi, c'est parce qu'il s'agit d'un Français de France, je crois que c'est pour ça, et j'ai beaucoup de followers français, donc ils s'identifient à la bite et un peu à la personne aussi. Okay, en 45 secondes, il y a eu 32 fois le mot bite, mais. Ça fait trop bite, on va-tu manger un peu de pizza? Calice. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite avec la pizza. Tu rouvres la pizza et devinez ce qu'il y a au milieu? Une bite. Yes! Félicitations. Merci. Sur ce, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, de prendre un break, on s'en va sur le break. On revient avec vie familiale, business, this or that de mon beau-frère. Un gros merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. Pis c'est la première fois qu'on va faire ça. Ça s'appelle un rapid fire qu'on vous a préparé. Ça va être des questions vite. Question rafale. Puis là, ça va être version sexe pour le premier. Puis aussi, si t'es pas abonné au Patreon, on fait tirer une PS5. Fait que let's fucking go. Let's fucking go. On est avec notre prankster. C'est Alan. Let's notre go. Super. On ouvre le buffet. Il vient de réaliser un super prank. On les a bien pognés, sérieux. Mais là, l'affaire, c'est que Chris, il a tombé avec la meilleure pizza, la whisky bœuf tabarnak. Oh, c'était la whisky qu'on a gaspillée. Ah! Non! Bien sûr de gaspiller la meilleure! Au cas où? Ah, cherche ça à la cote, c'est dans cette, man. La bouchée. Là, elle savait que c'était pas vrai, moi je suis naïve. Avez-vous faim, mesdames? Oh! Il y a de la saveur là-dedans.
Bon appétit! Mais c'est ça, tantôt, je voulais pas dire parce que tous mes acteurs, ben, j'en ai juste deux maintenant pour faire comme ah, c'est quand qu'on va pouvoir se revoir. Ils sont tous comme un peu in love, fait que j'étais pas pour dire ça. Tantôt, quand vous parliez, ah, oh, les gars dans la vraie vie, j'étais comme oh non. Ok, c'est que les gars, ils tombent en amour. Vraiment? Puis là, je suis comme, c'est vrai, là, que c'est dur pour les acteurs. Puis le comme, ah, oh, mais toi, dans la vraie vie, tu le fais pas. Puis je suis comme, ah, oh, mais tu sais, j'aime ça, ouais, la caméra. Puis c'est tout le temps comme. C'est pas genre, ah oh oui, je fais un film, ils veulent vraiment comme se sentir important, puis sentir que, oh non, mais genre, t'es mon préféré, puis tu sais, ils veulent. Oh, ouais. C'est vraiment important, ouais. Puis quand ils sont juste comme objets, ils sont là, oh non, non, j'aime pas ça. Bon, en même temps, c'est ça, vous avez comme. Tu sais, je veux pas nuire à mon image de salope. Non, Adam, t'annules pas. Non, c'est ça, mais. Faites-vous beau. Contenu anglais-français ou c'est juste français? Moi, j'ai trois comptes TikTok anglais puis un français. Fait okay. Que c'est comme la. Ils dominent l'anglais, j'ai pas le choix. Puis la peur français, on dirait que c'est un peu plus cringe, je trouve. Je me demandais, madame, est-ce que ça ferait du sens si Drip passe par train un Only Fine? Je suis pas sûre. Pourquoi donc? Mais sérieusement, souvent, j'entends « Ah, oh, moi, je me partirais un OnlyFans, c'était pas de ma famille, c'était pas de mon travail. » Mais ce qui est payant, c'est pas de se partir un OnlyFans en tant que tel. C'est d'en faire la promotion, d'avoir des idées, d'avoir du contenu varié. C'est pas le OnlyFans en tant que tel qui génère des revenus, dans le fond. Je suis créateur de contenu. Mais moi, je pense que ça marcherait si tu serais plus dans l'humoristique, genre. Sans être... On avait pensé faire des abonnements à 5$, puis qu'il est en speedo, qu'on monte ses couilles. C'est pas ça. Peut-être pas son bat. Ouais. Mais non, je pense des trucs drôles. Non, mais jamais sans restriction, si on veut. Ouais, ça, ouais, oui, ça, ouais. Je suis d'accord. Mm. C'est ça, il faut offrir un contenu différent, spécialisé pour que ça fonctionne. Mais oui, oui. Mais bon, s'il te plaît, ben. Dis pas oui, là. Non, oui, c'est fou. Je vais avoir 1 million en banque, là. Jay va dire, ah, moi, tout. Ben, tu ferais peut-être de l'argent avec ton petit bat. Ah, ouais, sûrement. Hey, oui, man. Le monde sont curieux de savoir si c'est vrai ou pas. Oh! Oh, tu mets une photo sur ton OnlyFans, c'est juste ton bat, man. Ça répond à la question, c'est réglé. Tu payes 10$, tu vois son bat. Ah ouais, je ferais une pause de cash. Tu ferais une grosse pause de cash, man. Même tu moi, me diras, je vais m'abonner. Tu vas être déçu. Mais non, j'aime les bits. Même les bits. Toutes les formats de bits? Ben, sérieusement, c'est pas tellement à la grosseur que c'est un tout. Tu sais, même l'attitude du gars influence. Le gars, il est là avec une attitude arrogante. « Oh, j'ai toujours rêvé d'être acteur. Je veux tellement te faire venir. » Ça m'allume vraiment pas, là. Mais il y a du monde aussi qui ont des gros bacs, mais ils savent pas s'en servir. C'est ça. Ils pensent tellement que c'est juste ça, que c'est juste la grosseur qui compte, qu'ils font juste un petit chien. Mais on dit tout le temps ça, là. Tu sais, c'est pas la grosseur du bat qui importe, c'est comment tu sais t'en servir. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement dire? J'ai jamais compris ça. Qu'est-ce qu'on veut réellement dire? Parce que moi, un gars qui a un gros comme shot, moi, j'aime vraiment ça. Respect. Moi, dans le temps que j'avais 16-17 ans, je savais que j'avais un party le vendredi, le mercredi, je me crossais pas. Mais j'étais comme, si jamais, j'étais pisseau, là. Si jamais je vois pas une fille, je vais avoir un esti comme je shot. Sais pas si les autres filles sont comme moi. Moi, vraiment. J'avais la stratégie complètement inverse de toi. Je me crossais pour te faire plus, moi. Mais j'aime mieux qu'il t'offre moins, mais il y a un plus gros comme shot. Ouais. C'est pas important que ça. Pour moi. Moi, j'aime ça. OK. Fait que chaque critère est différent. C'est ça, là. C'est monde, pas. Là. Non, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Juste pour revenir, je disais, c'est. Genre, c'est comment tu sais t'en servir, qu'importe, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, qu'il y a un gars qui a un gros bat? C'est quoi qui fait pour genre. C'est quoi qui fait qu'il est pas bon, là? Ben, je crois que chaque fille est différente, justement. Fait que c'est pas un gars est bon et un gars est pas bon. C'est des gens qui vont être compatibles sexuellement ensemble. Puis ça dépend dans quel mood les personnes vont être. Là. Si la fille, elle a envie de se faire câliner ou jouer d'un cheveu, ouais, mais le gars, ça. Il a juste envie de jouer à Rambo. Mais il faut que ça clique. C'est ça. Exact. Parlant de compatibilité puis de préférence sexuelle, on a préparé un petit segment question rafale version sexe pour vous. Ça vous tente-tu de répondre à une série de questions? Moi, ça me tente. Ça va nous faire plaisir. Donne-moi une question, le beau frère. Fait que ça va être chacun votre tour. On va commencer par Eva. Ensuite, Jean. Se faire cracher... OK, fait que rapid fire, c'est parti. Se faire cracher dans la bouche pendant le sexe. Pour ou contre? Pour. Cracher dans la bouche à quelqu'un pendant le sexe. Pour ou contre? Bon. C'est pas mon trip. Si ton partenaire te demande de pisser dans sa face, oui ou non? Golden non. Shower. Non. Pour ou contre l'anal? Pour. Pour ou contre se faire attacher? Pour. Pour ou contre attacher quelqu'un? Contre. Oh, ouais.
Pourquoi on parle du sexe dans un donjon sexuel? Pour. Là, le beau-frère a écrit « faire du ». J'ai écrit, écrit « faire du ». Faire du sexe en groupe. Faire du sexe en groupe. Pourquoi? Essayez. Essayez. Coucher. Ben, trois, trois, c'est un groupe? Oui. OK, pour. Trois, oui, pour. Ouais, trois. Coucher avec un gars qui a un petit bat. Pour. Se faire dire « je t'aime » pendant un one night. Contre. Contre. Attends, un petit, on s'attend, là, une taille normale. Mais s'il y a un petit bat, ça contrebalance-tu? Ouais. Ouais. Oh, je rentre pour un ami. Hein? Je demande. Ben... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un petit bat, puis il te dit « je t'aime ». Non, mais même si c'est un gros bat, je veux pas qu'il me dise « je t'aime », là. OK, je comprends. Contre dans... Bon, fait que ça, ça répond à notre question. C'est trop malaisant. Bon. Fait que c'est le tour à Jade. Se faire cracher dans la bouche pendant le sexe, pour ou contre? Pour. Cracher dans la bouche pendant le sexe? Pour. Pisser dans la face de ton partenaire? Crache-le. Dans la douche, mettons? Ouais. Ah. Ah. Non, mais tu sais, c'est pas moi qui se fais pisser dessus, fait que ouais. Avec propre... Avec ouais, propre... Si c'est son trip, ça le rend bien heureux. Ben c'est ça, c'est pas moi, fait que ça me dérange vraiment pas. Je ferais plus le contraire, moi. Oh, tout. Mais non, là, ben, j'ai déjà essayé, là. Tu te ferais pisser dessus. Ouais, j'ai déjà essayé. De te faire pisser dessus. Mais c'était dans la douche. Ouais, dans la douche. Puis ma mère, elle m'a dit, mais là, Eva, tant qu'à le faire en maton, tu fais les pas du tout. Elle m'avait jugé parce que je m'étais fait pisser dessus dans la douche. Elle trouvait tant qu'à ça de juste pas le faire. C'est un peu une joke. Voyons donc. Il y a des gens qui payent cher pour se faire pisser dessus, je pense. Hein? Ça se peut-tu? En tout cas. Sûrement. Pour ou contre l'anal? Pour. Pour ou contre se faire attacher? Ben pour. Pour ou contre attacher quelqu'un? Pour aussi. Faire du sexe dans un donjon sexuel? Aussi. Faire du sexe en groupe? Aussi. Coucher avec un gars qui a un petit bat? Ouais, ok. Non. On était moins sûrs sur celle-là. Ça faire dire je t'aime pendant un one night? Non, 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 non. Ouais, fuck juste je t'aime pendant faire non. Ouais, c'est bon, non, ben, c'est mon... ça, même pas one night, c'est non, c'est ça, c'est bizarre. Ben oui, je comprends. Là, je sais pas, petit, est-ce qu'on parle une malformation? J'étais pas sûre par petit ce que t'entendais, là. Dans quoi? Petit, je sais pas si genre un micro-pénis, genre médicalement trop petit ou juste un gars qui a une non, queue petit, normale, là. Ben là, non, là, non. Non, ben non, mais non. Ça, c'est très petit. Non, ah, moi, je parlais en bas de la moyenne, là. Mais ça, c'était au repos, là. Je l'ai fait oh, au okay. Repos. Ah, OK. Ben là... Tu sais, il y en a comme notre caméraman, là, c'est un grower. Ouais. C'est un grower. Mais ça veut rien dire. J'ai un ami nain qui cherche une collab avec une Only Fine Girl. Seriez-vous down? Ouais. Oui. Hein? Oui. Oui, 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 oui. Hélène nous a dit qu'elle était down, merde. Qu'elle ne nous a jamais revenu. Ah oh, oui, fait oui, oui, si non. Si vous voulez prendre le shotgun nain. Shotgun sur le nain. On tourne un podcast avec lui demain, justement. Non. Eva, Chris, Eva, t'es-tu à, t'es-tu à Québec demain? Oui. Comment il s'appelle? Mick. Tini Small. On l'a-tu déjà vu? Passé sur pour Internet, vrai, oui. Es-tu connu? Il est avec les Bug Boys. C'est-tu qui, les Bug Boys? Il veut? Ah, ben, c'est sûr. Il veut. OK, yeah. Tu pourrais faire une apparition dans un podcast demain pour y demander. Ça serait fire en estime. Bon, on pourrait juste s'appeler sur FaceTime, tu vois, ouais. On pourrait s'appeler sur FaceTime. Oui, oui. OK, ouais, on va t'appeler sur FaceTime hey, demain. C'est nice. On va c'est faire un minute, on t'appelle demain. OK, parfait. Quand on est en règle des affaires, je pense qu'il charge juste 10%, là, lui. Okay. Il charge des petits compensations. Mais ça me dérange pas. Moi, ça me dérange chargé pas. Du tout le temps. Moi, avec une facture, ça me dérange pas de le payer, là. Travailleur autonome. Sans blague. Ça, c'est malade. Ça, c'est fait. Fait que ça, c'est hot. J'ai hâte à demain. Là, j'ai une question Patreon d'Alexandre Baudry. T'es un peu indiscrète, celle-là. Vous y répondez comme vous sentez. Est-ce que vous bleachez l'anus pour faire les scènes de porn? J'ai appris tantôt que ça se faisait, ça, bleacher l'anus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi à la maison, c'est que pour pas que le poil paraisse, le monde se fait bleacher le poil. Exact. Non, c'est vrai. C'est se faire blanchir l'anus. Non, c'est blanchir, ça, tu mélanges. C'est blanchir l'anus. Okay, c'est je pensais que c'était O-ring brun, fait qu'ils mettent ça blanc. Bon, ben, non, c'est blanchir le ring. Bon, ben blanchir le ring. OK, blanchir. Serais-tu blanchir le ring? Oui. Qui se fait, qui se fait bleacher le poil? J'assume la couleur de mon ring, je suis bien à l'aise. Ouais. La question faisait pas sens. Qui se fait bleacher le poil de cul? Je pensais que c'était ça. C'est non. Juste moi qui étais blanchir. C'est sûr que c'était écrit blanchir, puis j'ai lu bleacher, puis j'étais genre. Oh, ouais. Tu vois, ils se font bleacher le cul. Je vais le poser, cette question-là. C'est intéressant. Finalement, c'était possible.
On a éclairci ça, au moins. Ben, au moins, c'est ça. Je vais me coucher moins niaiseux à soir. Je suis bien content. Hey, juste avant de recommencer, on vous parliez qu'il y avait des vidéos qui pognaient plus sur vos OnlyFans, que des fois, c'est en POV, des fois, c'est grosses graines, des fois, c'est petites graines. Comme nous autres, mettons, nous, c'est que des fois, quand on goûte à de la bouffe, ça pogne vraiment. c'est quoi qu'on disait dans tantôt? Ben, un peu, c'est quoi la recette pour faire une vidéo de sexe qui est comme virale? C'est quoi? Y a-tu un truc? C'est comment ça marche? Ben, c'est toujours d'essayer des nouvelles choses. Parfois, oh, on se dit, elle n'est pas si bonne, elle ne marchera pas. Puis, oh, finalement, la vidéo, les gens, ils adorent. Puis, ça marche vraiment. C'est souvent ça le pire. Ouais. Ceux qu'on préfère, c'est eux qui sont des fois ceux qui fonctionnent moins. Okay. C'est vraiment comme YouTube. C'est juste que, comme j'ai dit, à place de goûter à de la bouffe, c'est. Change de position. Toi, vidéo, ouais. Ma vidéo à 4, ouais. Ça a été ma plus. À 4? Ouais. C'était. Deux gars, deux filles. OK. Ça a été plus. C'est laquelle qui a payé le plus? Ma compilation et la vidéo où je convainc mon photographe de faire une vidéo avec moi, qui est un scénario qui est vrai, en fait, parce que c'est vraiment un caméraman photographe. Et finalement, ben, j'ai dit, ouais, mais tu voudrais pas être derrière la caméra avec moi. Et finalement, on a fait une vidéo et ça a vraiment fonctionné. Oh, ouais. Shout out au caméraman, good job. Yeah. Ouais, shot by Jay, notre vidéo. Les gens redemandent. Excellent. Si on sort un peu de la graine quelques instants, on va revenir à la bite. Okay. Inquiète-toi pas. On va... Toujours place à la bite. On va revenir à la bite, c'est tout le temps bien correct. Mais Jade, on a vu que t'avais un enfant. Est-ce qu'il sait? C'est quoi ton métier? Comment ça marche avoir un enfant quand tu travailles dans l'industrie du sexe? Est-ce que tu penses à ça? Il y a 10 ans, c'est ça. Oui. Ben, c'est une des raisons du pourquoi aussi que je suis pas sur PH, puis tout. Ouais. Ça me, ben, au début, quand j'ai voulu faire ça, je me suis posé la question justement, est-ce que je vais sur une plateforme qui est privée ou publique? C'est là que j'ai choisi Mime OnlyFans. Puis dans le fond, moi, j'y ai demandé quand même. Tu sais, il y a juste 10 ans, là, mais j'ai quand même demandé il y a 2 ans, tu sais, maman a fait ça à mon dessin sur Internet parce que je sais que, tu sais, les enfants, maintenant, ils vont tous sur Google, puis ils savent comment utiliser Internet. Oui, ça peut là, arriver ils vite, savent là. Tout, ouais. Fait que j'ai dit, tu sais, maman a fait ça à mon dessin sur Internet. Puis il me demandait, est-ce que tu aimes ça? Puis c'est ça qui m'a surpris parce que j'ai dit oui, puis c'est là que j'ai su que le monde, dans le fond, ceux qui jugeaient, ben c'était totalement gratuit, là. Parce qu'un enfant de 8 ans est capable de te demander, est-ce que toi, t'aimes ça? Oui, OK. Mm. C'est correct, ouais. T'es heureuse. C'est ça. Ouais. Mais j'ai pas dit jusqu'à où que je vais, là. T'es trop jeune. Mais, tu n'as pas parlé base, des cocons, là. Mettons, là. Non! Ouais. non, j'ai dit, tu sais, ouais. Ouais, il t'est arrivé peut-être des petits accidents. Raconte-nous ton accident de travail, Jade. Des accidents? Ouais, non, mais c'est. Non, c'est, je te l'avais dit parce que j'étais assez gênée. J'avais collé un dildo sur un ballon d'exercice. Puis mon fils a ouvert la porte, puis il a fait. Puis il est parti, il a rien dit. Puis moi, j'ai fait. Dans ce truc-là, il y a un dildo sur un ballon. Il y avait juste ça. Fait que ça a été un moment, tu sais, des petits accidents comme ça, mais. Ouais. Des fois, c'est lui qui ramasse pas ses jouets, puis des fois, c'est toi. Il était caché, c'est ça le pire. Il va jamais là, puis il a ouvert la porte, puis j'ai fait « Oh non! » C'est fait, là. Puis t'as quand même pris la décision de faire l'école à la maison avec ton fils. C'est quoi qui a engendré cette décision-là? C'est-tu à cause de ton métier ou... Non, j'ai fait avant. J'ai décidé de faire l'école avant à mon fils à la maison parce qu'on voyageait. Okay. Je me suis dit, tu sais, si je veux voyager autant puis avoir une routine assez libre, je dois comme moi-même m'en occuper. Puis vu que, tu sais, j'étais pas poche à l'école, fait que je me suis dit, je suis capable de le faire puis ça va super bien. OK. Ouais, c'est toi la prof, dans le fond? Ouais. Il n'y a pas de comme d'enseignant qui s'en vient de temps en temps. Ben j'en prends un pour les mathématiques parce que c'est pas ma force. Mais non, ouais, sinon, à part les mathématiques, c'est moi qui fais le reste, là. Mais les examens, comment ça marche, ça? Il y en a pas. Parce que vu que moi, je passe plus de temps au Mexique pendant l'année scolaire, ben il peut pas comme être inscrit ici. OK. OK. Puis pour se faire des amis, mettons, pour avoir un cercle, tout ça, comment, il fait des sports ou c'est comment qu'il fonctionne? Ouais, bon, on l'inscrit à des choses. Comme moi, j'ai des amis avec des enfants. Okay. Quand il va chez son père aussi, il y a 3-4 amis là-bas. Fait que, tu sais, il y a quand même des amis, là. Il n'est pas seul au monde. Ouais, c'est ça. Mm. C'est juste pendant la semaine d'école que lui, il fait ses enfants c'est avec toi. Puis c'est comment de conjuguer la vie familiale puis ta vie de travail, comme toujours être parti puis tout ça, c'est-tu facile ou... Ben oui, pour moi, là, parce que j'ai fait en sorte que ma vie soit en fonction que j'ai un enfant puis que je fasse ce travail-là. Okay. Fait que pour moi, c'est comme ma routine. Je
pourrais pas faire autrement. OK. Okay. Toi, Eva, est-ce que tu veux des enfants? T'en as-tu? Non, j'ai pas d'enfants et non, je compte pas en avoir. Oh. Pas que j'aime pas les enfants, là, mais... Comment dire ça? Les enfants, c'est un peu comme les pets. C'est toujours plus drôle quand c'est ceux des autres. Wow! Ah, moi, je dirais pas ça. J'aime ça. Mais les pets, j'ai trouvé ça drôle. Quand c'est les tiens? Oui, c'est vrai. C'est gênant un peu d'en parler. Toi aussi, tes pets sont bons? Ouais, Chris, que oui, man. Les pets sont bons. Mais juste pour moi, je sais qu'il peut ça. Ouais, non, j'ai remarqué que les autres sont pas drôles. Ouais, je sais. L'industrie d'OnlyFans est de plus en plus présente dans notre culture, puis il y a beaucoup sûrement de jeunes filles qui veulent se lancer là-dedans. Auriez-vous un conseil à donner à ces jeunes filles-là qui ont de l'intérêt pour cette plateforme-là? Ben, de le faire pas juste pour l'argent. Parce que si on le fait juste pour l'argent, ça reste hein? Ça reste sur les réseaux sociaux. OK. Toi, tu l'as fait pourquoi? Ben, j'aimais ça. OK. Ouais. Moi, j'ai vraiment été en étape. Ça a été vite, mais je l'ai fait quand même en étape, puis j'ai su comme, tu sais... Quand que ça me tentait plus, là, tu comprends, les étapes, à un moment donné, il y a une étape que tu fais « ouf, non ». Puis là, tu recules. Mais il y en a qui n'ont pas ça. Là. Mm-hmm. Quand tu peux être jeune aussi, tu peux comme t'embarquer dans des histoires que tu vas regretter plus tard. Mais tu sais, moi, je suis assez bien pour me dire « ouf, je suis prête, là ». J'assume. Moi, ce que je dirais, c'est de ne pas en faire une carrière, de faire des études avant. Okay. Ouais, d'avoir un plan B aussi. Ouais. Là. Y a pas ça paraît pas de même, là. Mais j'ai des études. En quoi? En analyse biomédicale. Same. Travailleux. Same. C'est quoi ton plan B, toi? Mon plan B? Aucun. Aucun, man. J'ai toutes mes... Ouais, mais en même temps, moi, comment je le vois, c'est si j'ai toutes mes œufs dans le même panier... Ouais, ça se peut que ça chie, mais en même temps, j'ai pas le choix de make it work. Je sais pas. Tu te mets la pression pour être mais c'est pas la même chose pour nous que si la fille, elle décide que oh, elle se lance dans OnlyFans, c'est ça qu'elle veut faire, puis au final, elle veut être dans un autre domaine, je sais pas. Elle veut ouvrir une garderie, mais elle pourra pas, puis ça va lui bloquer des portes. C'est, ouais, c'est plus à cause du fait qu'après ça, c'est difficile de, dans certains travails de pouvoir travailler là-dedans cette image-là. Fait que ton conseil, ça serait de lance-toi pas là-dedans jusqu'à temps que. C'est ça. Jusqu'à temps que tu es sûr. Oui, exactement. De ne pas en faire un plan de carrière principal parce qu'après ça, ben, si tu veux faire quelque chose d'autre, ben, peut-être que. Puis c'est vraiment plus dur qu'on le pense. Là. Les gens, ils pensent qu'ils vont ouvrir un OnlyFans puis qu'ils vont être riches demain, mais c'est pas la réalité. Non, non, c'est sûr que. Non, clairement pas. Puis c'est ça, c'est de si tu te pars un OnlyFans sans plan B puis tu te montes à tout le monde, mais ça marche pas ton affaire, ben là, c'est comme sûr, tu dis, avec ça. Toi, Eva, c'est quoi ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur? C'est des bits. Je voulais pas être répétitive, là! Toi, Jade, c'est quoi ta définition du bonheur? Ben, c'est simple, là. C'est mon fils, là. T'sais. Si lui est heureux, moi, je suis heureuse. Ça fait qu'il était un peu à dire. Ben non, c'est comme très, puis qu'il soit fier de moi aussi. C'est très, très honorable à toi de passer ton bonheur à travers ton fils et ta vie familiale. Félicitations. Justement, juste pour revenir à ton fils, là, c'est parce qu'il a 10 ans. Ouais. Et qu'il a, je sais pas s'il a commencé à se crosser, mais sûrement pas. Non, je pense pas. Mettons, ça va peut-être changer quand il va commencer à comprendre des choses. As-tu peur, en tout cas, que tu te demandes? Ben, c'est sûr que ça va en étape, là, qui sait que, de ce que je fais de ma vie. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je sais pas, là. Tu sais. À un moment donné, il va se crasser. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une réalité. À un moment donné, On passe tout par là. Toi, mon beau-frère, aurais-tu un petit fuck, Mary Kill, quelque chose? J'aurais peut-être, oui, mais avant ça, j'aurais peut-être des questions Patreon. Je vais regarder. Ouais, nos Patreon avant des fuck, Mary Kill. Oui, on va faire nos questions Patreon. C'est grosse à on a fait une à la date, mais on en a eu plusieurs quand même. Là. Vous étiez populaire là, chez nos Patreons. Il y avait de la question pour vous. Hey, depuis qu'on les a brassés dans le casque, là, pour leur dire que les questions, c'est de la merde, ça pose des questions. Ouais, là, ça y va, les Patreons. Des good job. Vous faites bien ça, vous avez des bonnes questions. D'ailleurs, Elisabeth Jolie nous écrit. Est-ce que ça vous arrive de perdre confiance en vous en faisant ce métier-là ou au contraire, vous considérez que ça vous donne un boost de confiance? Chris, Elisabeth, t'as
Elisabeth, t'es... Elle devrait être recherchée pour prendre un break. Tu fais de la meilleure job que moi, Elisabeth. Là, ah, c'est pas toi, je visais le beau-frère. Ben, ouais. T'es mon meilleur, hein? Yes, sir. Je dirais pas que ça baisse notre confiance, mais ça nous rend très sévères envers nous-mêmes parce qu'on regarde notre contenu, on juge notre contenu, on fait le montage de notre contenu. Fait que c'est normal qu'on va focusser sur des petites choses qu'on avait peut-être même pas remarquées avant. Donc, c'est quand même assez difficile. Sur la confiance. Oui. OK. Ouais, je comprends. Autant que oui, ça peut être valorisant que, tu sais, il y a plein de gars qui nous trouvent belles et tout, mais c'est difficile d'un autre côté. On a une certaine pression, puis on veut que, tu sais, notre contenu soit esthétique et tout. Donc, je dirais que c'est quand même difficile. Je comprends ça. Puis quand tu te revois devant la caméra, c'est comme si tes défauts, ils te sautent d'en face encore plus, là. Moi, si je fais pas de porn, mais quand je me réécoute dans des vidéos, c'est souvent ça. C'est comme ça te confronte à qu'est-ce qui te gosse le plus chez vous. Fait que ça peut être ça qui est plus dur pour ta confiance, mais d'un coup que tu passes par-dessus ça, on dirait que peut-être ça donne un boost. Oui. En tout cas, moi, c'est le même, je le vois. Toi, ben, j'ai plus ce boost. Ben, moi, c'est le contraire. Hein. Parce qu'avant de faire ça, j'étais tellement timide que j'aurais jamais venu ici, premièrement. Là. Okay. Fait que non, ça m'a donné... C'est le contraire, tu sais, je suis vraiment... Je me juge beaucoup, mais ça m'a donné comme un boost. On me l'a dit, tu sais, t'as pas le choix, là. Tout le monde t'a vu, là. C'est ça. Ouais, let's go. Personnellement, je sais que ça sonne complètement absurde. Je suis plus à l'aise tout nu qu'habillé. Tabarnak. Mais c'est moins compliqué de faire du contenu OnlyFans qu'Instagram. C'est vrai, Parce que même si ma face est un petit peu bizarre, ça sera pas focusé sur mon visage ou peu importe. Ils vont regarder l'ensemble, ils vont regarder mes seins. Je trouve ça moins difficile. Ou tu sais, un vêtement, il fait un pli, la couleur sort bizarre. Là, t'es tout nu, tu te casses pas la tête. D'habitude, ça va bien pour mes photos OnlyFans. Pas besoin de repasser son linge. Exactement. Chalice. Bon enfant, en esti. Ouais. Parce que c'est grand public aussi que c'est plus tough poster sur Instagram. OnlyFans, c'est tes fans, tu le sais, qui aiment ton contenu puis qui s'abonnent pour toi. Là. C'est sûr, mais je trouve vraiment que si ça sort mieux souvent des photos OnlyFans, automatiquement, on sort plus sexy, étant donné qu'on est nu. Mm-hmm. Plus sexy, on est juste tout nu. Ouais. Ouais. Bon, fait que des dessert dates. Yeah! OK. Donc, c'est soit tout le monde taillit après ta mort ou tout le monde t'oublie. Du moment que t'es mort, il n'y a plus personne qui se souvient de toi ou tout le monde te déteste. Qu'est-ce tout le monde m'haït. Ah ouais, hein? Tu veux que le monde s'en rappelle? T'es comme une genre... Non, mais je préfère ça qu'être oublié. Là. Je veux pas qu'on m'haïsse. Là. Note, si vous écoutez ceci pendant que je suis morte, ne m'haïssez pas. Mais je préfère ça qu'être oublié. Mais ne me l'oubliez pas. Mais ne m'oubliez pas. Mais tu sais, OK, mais mettons Hitler. Là. Tout le monde se rappelle de lui, mais tout le monde le déteste. Ah, là, il y a des limites, là. Mm. Que tout le monde me déteste, mais pas parce que j'ai tué des gens. OK. OK, il y a une assez personne. OK, je comprends. À moins qu'on m'oublie. Je veux pas que tout le monde me déteste pour rien. Tu ferais juste oublier. Ouais, oublie-moi. Okay. Oublie-moi. Mais mettons que tu meurs demain matin, là. Ta plateforme, elle continue-tu de rouler ou c'est fini? Aussi, c'est... Hein, j'ai fait genre bof. Est-ce que c'est dans ton testament? Tu lègues ça à ton fils? Et... Ben, c'est sûr, mon argent va à mon fils. Là, mais ouais, ouais, mais la plateforme, tu sais, ça peut. Ben, je veux dire, tu sais, à mon agent, au pire, fais-le vivre jusqu'à tant que tu peux pour l'argent à mon fils. Là, mais non, tu sais. Mais moi, t'es mort, tu pourras pas dire à ton agent. Ouais, mais j'ai dit avant. Okay, j'ai déjà dit. Okay, moi, j'ai dit, s'il m'arrive de quoi, tu sais, assez de le faire vivre un peu. Mais, tu sais. Jusqu'à un certain point, là. Mmh. La fille est morte, ça fait 6 mois. Je sais pas si c'est légal. De faire du contenu une fois mort. Mais non, mais genre, moi, j'ai beaucoup de contenu en avance. Là. Je léguerais mon OnlyFans à ma mère. Elle gérerait juste son OnlyFans, donc ça ferait des revenus supplémentaires. Et tu sais, juste de déterminer, mettons, les choses qui se passent. Là. Ouais, comme Juice WRLD. Tu sais, il y a des tunes qui sont sorties après sa mort. Vous pourriez préparer, genre. Ouais. que... Why not? Je pensais pas qu'il pensait qu'elle allait mourir. Juice WRLD? Ben, il l'annonçait pas mal. Ben, il disait, mais tu sais pas si tu vas vraiment mourir. Non, mais c'est juste parce que c'était un génie. Là. Lui, il pouvait se taper un album complet en une semaine. Là. Ou 6 MD dans la même journée. Mais je peux faire beaucoup de vidéos en une semaine. Ouais, moi aussi. Et j'en ai en avance. Ah ouais? Fait qu'on a encore beaucoup de contenu, tu sais. Ouais. Faites-vous plus qu'une vidéo par jour, des fois? Non. Non, c'est un max par jour? Ouais. Ah, oh, moi, ça m'est arrivé 3, puis je me suis dit plus jamais. 3? Ouais, 3. Trois gars différents? Non, un gars, mais après ça, il fallait que je fasse comme une solo. Après ça, j'avais un costume. Fait que ça en fait tellement que t'es... C'est pour ça que je préfère une par jour, une bonne vidéo, qu'une vidéo. Après, l'autre, j'ai l'air fatiguée, puis pas donner du bon contenu ou que je performe. Que je le fais vraiment, tu sais, pour l'argent, pour fournir une vidéo, plutôt que moi, ça me tentait de faire une vidéo cette journée-là, puis après une, ça donne jamais des très belles vidéos. Ouais, je comprends. C'est quoi un costume? T'as dit j'ai fait un costume là-dedans?
Ceux qui te demandent quelque chose, comme ils vont payer plus cher pour avoir une exclusivité sur la vidéo, ça lui appartient à lui, puis okay, il dit comme fais ça pendant tant de minutes. Genre. C'est quoi la chose la plus fuckée que vous êtes fait demander? Ouais. Honnêtement, moi, par respect pour mes abonnés, je ne vais jamais dévoiler leur fantasme. Ils payent justement puis ils se confient, fait que je ne vais pas. Surtout si la personne aime. Pas c'est qui, là? T'sais, moi, ça a vraiment juste été de chier puis de me l'étendre dessus, fait que j'ai juste dit non. Ah, ok, ouais. C'est pas mon trip à moi, fait que c'est sûr que je vais pas le faire. De toute façon, je pense que ça, c'est pas dans les règles. Non, mais c'est ça, on n'a même pas le droit de toute façon. Fait, okay, même si on dit oui. Moi, je dis, je n'ai pas le droit sur un e-fan. T'as un autre disrespect? Yes, soit t'as toujours une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine. Soit t'as toujours une mauvaise haleine, tu te brosses pas les dents ou tu sens tout le temps le swing. Fait que vous, dans vos jobs, les deux, j'imagine, c'est pas le best. Qu'est-ce qu'on prend? Ben, moi, ça paraîtra pas en caméra, là. Ah, fait que toi, tu prends les deux. Fouche plus de la gueule, je sens le swing, mon gars. Tiens, Jade, je me sacrifie. Non, le swing. Moi aussi, le swing. On avait préparé un Fuck, Marry, Kill, les trois animateurs de Prends un break. Okay. C'est notre classique au podcast. On l'a demandé à plusieurs personnes à date. Elle dit rien. Ouais, non, on va rien dire. Fait que c'est ça. Fuck, Marry, Kill entre moi, Frank et Jay. Sentez-vous pas mal, on est habitués. C'est trop chien, je peux pas. Pour ça, j'aurais aimé mieux. Jay, d'habitude, il est bon pour la poser. Ça a l'air un peu naïf. Il a l'air de pas trop y avoir pensé. Mais moi, je suis sûre pour mon tour du monde. Ah ouais, tout ça. Quelle nationalité? Vietnamien. Définitivement. Ouais, là. Faut que t'ailles là. Yeah. Ouais. Ben, non, de pas me faire tuer, man. Ouais. Toi, tu serais gêné, je pense. Félicitations. Tu serais gêné. Devant j'ai déjà mérité de gêner, mais tu sais, caméra, ouais, tu serais gêné. Aucune calice de chance que je fasse. C'est ça. Fait que Kill, pis toi, t'avais l'air comme à l'aise tantôt. Tu parlais d'ouvrir OnlyFans. Fait que tu sais, c'est. Pis oui, je me suis aussi mis en speedo, là. Je sais pas si t'as vu. Ouais, je te parce que je pense à long terme. Fuck, parce que j'ai ma vidéo. Pour mon tour du monde, puis là, toi, tu serais trop gêné. Tu me tues, hein? Ben là, j'ai pas le choix. C'est 100% business, hein? Il y a rien d'autre. Je m'excuse. Ouais, c'est correct. C'est correct. Comme Rick, man, c'est une affaire de porn star, ben man. Là, business, pense à ta business. J'ai pas le choix, là. Je te donnerais pas de bon contenu. Prends pas ça personnel, le beau frère. Non, c'est correct. Mais c'est vrai, le pire chou, toi, tu serais plus down. On est rendu 2-2, le pauvre. Je sais. 2-2. Tabarnak. Attends, je me suis fait tuer deux fois, lui deux fois. Ouais. Toi, Jeanne. Ah, ma faut jouer. Ben, toujours. Je pensais que c'était juste Eva. Tu peux dire la même réponse, ça me dérange pas. La même réponse, au plus. Non, mais je sais pas pourquoi. Non, mais je sais, mais tu sais, j'en ai pas comme... bronzé. Ouais. Fait que on veut varier. Marie, elle a l'air papa gâteau, fait que genre... Tabarnak! C'est le pire épisode de toute ma vie. Bon, j'ai pas voulu répondre. Deux fois tué. De suite. Deux fois back to back. C'est business. Toutes les porn stars veulent pas de moi. Elle aime rien savoir. Ces deux filles-là veulent rien savoir. Sac. Mais c'est pas genre kiss et non kill. Je le prends pareil. Il prend pas pareil. Ouais, bon, ben, fait que cool. Ça date. Tout le monde marie Frank. Il n'y a pas une fois que quelqu'un a fuck ou. Ah. Oh. Mais souvent, là, un vrai I'm fuck drip, marry papa. Kill, là, c'est tu fuck, puis quand tu marry, tu peux pas fourrer, puis tu kill. Ça, c'est un vrai fuck ben marry là, kill. Non, mais ça marchera pas, mes affaires. Attends, c'est ça. C'est ça un vrai fuck Mary Kill. Tu peux pas fourrer la personne que tu maries. C'est ben ça. Là. Chris, on est surpris un break. C'est vous qui fait loi, tabarnak. L'homme marié se fait fourrer, calice. Non, mais c'est. Je pense que c'est ça un vrai fuck Mary Kill, mais genre, tout le monde va rendre. Oui, genre, mais moi, je prendrais le caméraman, c'est sûr, pour le marier, parce que quoi qu'il en soit, il va toujours pouvoir me filmer, me faire des vidéos, des photos. Ah, ça, c'est clair. Carrément. Sans hésitation. Le shérif ou la pioche? Les deux sont caméramans. Mais les deux filment. Ah, mais ils viennent en équipe, eux autres. OK, ben c'est parfait. Deux. Non, ouais. Une bite de plus, une bite de moins. Dans la vie, où est-ce que j'en suis? Ça changera pas grand-chose. Oh, parlant de ça. Jamais 203, comme dirait grand-maman. C'est quoi votre body count? Vous êtes vraiment pas obligé de répondre à ça, là. C'est vraiment... Si non. Vous êtes pas à l'aise, mais si t'es à l'aise, lâche-toi. Segment c'est Patreon, mon loup. Désolé, mais on se revoit sur Patreon. Si tu veux savoir le body count de Jadev. Okay, ben moi, je m'étais préparée à cette question. Oh, tabarnak, elle a sa liste! Elle a sa liste! Avez-vous une liste? Oh, ouais! Hey! Tabarnak! Alexandre, Simon, Jay, Eva.
Je vais pas vous la dire, mais pour vrai, je peux pas dire exactement, là, mais... C'est vraiment vrai, là? Ben, j'ai commencé pour vrai, puis là, j'ai fait « Ah, ça va être drôle, je vais continuer longtemps, là. » Mais je vais pas dire exactement, mettons... OK. Moi, j'ai essayé de trouver... C'est là que tu réalises. Imagine ta liste à pattes, man. C'est cave. Sucer, ça compte-tu? Non. OK, phew, je n'avais pas compté. Dans le fond, j'ai essayé de compter. J'arrivais à... Par contre, j'ai un problème parce que je déteste les nombres impairs. Asti. Ça, c'est un TikTok que t'as fait. Je l'ai vu. Elle était bonne, certain. Good, fait que... Sur ce... Avez-vous des plugs à faire? Pas des plugs anal, là, des plugs... Il y a comme TikTok. Quelque chose qui s'en vient, moi et Eva, on va faire un... C'est son premier live. Ouais, mais peut-être la cette vidéo va sortir ouais, après. Les genres de gummy beer, mais c'est ce qu'on va faire. Ouais, mais pas avec des gummy beer. La vidéo va sortir après, là. Ben, ah oui, c'est vrai, elle sort quand? Ouais, ben, sinon, okay, dans le fond, moi et Jade, on a une vidéo de disponible sur notre OnlyFans. On a une grosse vidéo. Et c'est pas une expression. Une grosse vidéo. Tu parles-tu encore de bites, là, toi, là? Non, je traponne. Non, je parle de quand j'ai fait le montage, là, elle était grosse. Ouais, mais la mienne que j'ai prise était plus grosse. Je t'avais donné la plus petite bite. Ouais. Top. Il y avait des tailles différentes. Ouais. Puis on peut voir où sur TikTok? C'est quoi vos plateformes, vos noms de plateformes, mesdames? Ben, sur OnlyFans, moi, c'est Miss Lavoie. Okay. Sinon, on me retrouve avec Jade Lavoie ou Miss Jade Lavoie. Chris, c'est difficile de vous trouver sur Instagram. Ouais, c'est clair. On dirait que c'est comme Shadow Banned. Les deux, il faut exactement écrire le bon nom. Ouais, le nom complet. Sinon, vous sortez pas. C'est mais j'ai perdu mon compte, moi, cet été. Pendant un mois, j'ai réussi à le récupérer. Fait que depuis ce temps-là. Mais en même temps, on a checké ton Instagram. Puis, tu sais, lui, que t'es dans l'eau, là, avec ton chandail blanc. Oui, mais. Ben, c'est peut-être ça qui fait que t'es Shadow Banned. Non, ça a l'air, mais même quand on regarde les règlements Instagram, si c'est couvert, il n'y a pas de problème pour les seins. Ouais, mais il y a. C'est vraiment des positions sexuelles, de mettre des liens, de faire la promotion. Ils acceptent, mais ils veulent pas mettre ça en public. Mais en si c'est comme dans l'eau, ça fait artistique, si ça leur dérange pas, là. Moi, j'ai fait une photo avec Arnaud Soli où j'y lèche les tétons, puis j'ai eu un strike pour ça, là. C'est sexuel, mais c'était juste humoristique, là, dans ma tête à moi, mais en tout cas. Entre ça, puis mettons ta photo que t'as un chandail blanc, puis on te voit littéralement les pins, là. Ouais. Ils l'acceptent, mais ils veulent pas nous mettre en premier, genre, mettons. C'est peut-être pour ça que je voulais dire, c'est peut-être pour ça que c'est Shadow Banned. Mais on se promote aussi parfois discrètement, puis ça, ils aiment pas ça. Parce qu'hier, je voulais montrer, j'y parlais du prank qu'il y a à faire aujourd'hui, puis je voulais montrer ton Instagram, puis je l'ai pas on le trouvait pas parce qu'on écrit Jade Lavoie. Un matin, j'ai envoyé un autre ami pour dire on fait un podcast avec ces deux filles-là, puis j'ai écrit Miss Jade Lavoie, puis ça l'a sorti. C'est bizarre. Et mon OnlyFans, c'est Pomponette. Pomponette? Pourquoi Pomponette? Je sais pas. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, j'étais sur TikTok, j'avais pas du tout l'intention de mourir en OnlyFans. J'ai répondu de façon humoristique à un commentaire. Et la question, c'était « C'est quoi ton nom sur OnlyFans? » J'avais répondu comme ça en 2 secondes. « Mon nom sur OnlyFans, c'est Pomponette. » Ça l'avait été super viral. Donc après ça, je me suis dit « OK, il y a vraiment une demande, mais c'était une blague à la base. » C'était pour rire parce qu'ils pompent des badges, hein? Je sais pas, j'avais juste fait ça pour rire. Je pensais même pas ouvrir un OnlyFans. Pompette de pâte. Pompette, pompe des pâtes. Party, let's fucking go. Un gros merci à tout le monde qui ont été là avec nous. Oubliez pas de nous suivre sur Patreon. Une exclusivité live. On a reçu Bourque et Tenny Small des Bug Boys. Vous pouvez aller le voir dès maintenant. Si en exclusivité sur Patreon. Si ça ne pas c'est qui, Tenny Small, c'est le nain. Ouais, c'est lui qui est. Fait que si vous voulez voir la suite, ce qui s'est passé entre Eva et Tenny Small, venez nous voir sur Patreon. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. On vise le 50 000 jusqu'au 21 septembre à la fin de l'été. Ouais, jusqu'à la fin de l'été, on vise 50 000 abonnés. On est sur le bord de le pogner. Fait que let's go, ça nous prend rien qu'un petit boost. Puis un gros merci à Pizza Salvatore, Eros et compagnie de nous supporter à travers tous ces épisodes. On vous aime du plus profond de notre cœur. Checkez ça comment il est chaud là. Yeah! Prochaine vidéo! Prends un break pour l'été. Prends un break tout
toute l'année.